C'est pas mal, il en a sorti notamment un. Les poteaux, désolé, j'ai eu un bug là, Ouais, j'ai c'est pas déconnecté un grave, câble, le live il s'est arrêté, on est de c'est retour, assez let's go. surprenant. On va regarder les Personne ne peut pénaltys nous les gars, on stopper. va regarder les pénaltys. On va regarder Oui, les bien sûr, pénaltys il y les en a un potes. et le taux c'est déjà psychologiquement important pour savoir dans quel but on va frapper le tir au but. Il y a un des buts derrière lequel il y a énormément de supporters marocains, bien plus d'un côté que de l'autre. Et déjà ça en soi, on va être fixé dans quelques instants. Évidemment, hein, tout le monde serre la main et ce sera de l'autre côté. Ce sera pas devant donc. Mes excuses les gars, j'ai touché un câble, il s'est déconnecté. Bref, on est de Est-ce que retour tu les sens gars, on va assister aux, devant cette tribune comment on appelle ça, les tirs au but Voilà, c'est et bien. après ça on continue de Les hommes jouer. d'Espagne Pas first se défilent. Molotov, ok. Soldats et civils. Désolé poto, normalement je suis sur live là, j'espère que le son il passe et FC tout. Polo au FC Séville. Vous l'avez dit, c'est la cinquième séance de tir au but de l'Espagne en Coupe du Monde. Ils n'en ont gagné qu'une seule. C'était en 2002, Ah ouais, vous avez en entendu huitième de ça? finale contre Désolé l'Italie. Nobis, désolé Alexandre, je suis de Et retour les gars, j'ai juste un petit d'autres buts bug. contre la Belgique hein, en 86 en quart de finale. Tout le monde s'en souvient encore chez nous. Avec le Magnussa, Léo Magnussa. Et là, on va dire Moment très important là allez, pour allez, go, test micro cette 1-2-1-2. Europe. On va dire Magnussa, Allo, test micro est-ce que 1-2-1-2. ça dirige? Voilà. Ok, c'est bon. On a Désolé les gars, je une suis de retour, j'ai eu un petit bug. On est relancé les potes. première frappe est très importante. Là, l'arbitre est en train de rappeler toutes les consignes. MK, je t'ai ajouté sur Insta. Ah, ça marche, Et Alexandre. Je vais vérifier ça après le live, l'équipe, poto. évidemment. Ah, désolé, on a dû relancer le live, les gars. Putain, on était à Toujours ces 75 moments likes. Bon, c'est où pas on grave, on marque le s'en fout. premier. Sabiri monté au jeu. Ok, les gars, premier penalty pour Sabiri. J'espère qu'il aura une bonne frappe. L'offensive de la Merci, Sampdoria Aaron. Big up à avec toi, frérot. énormément de responsabilités, évidemment. Mais vous l'avez dit en studio, c'est vrai que la plupart des tireurs marocains se sont Allez, allez, imposés Sabiri, on compte sur toi. Tout, tout, au tout. coach. Tout le monde entier, l'univers compte sur toi, Sabiri. Let's go, premier penalty pour Sabiri, les gars. J'espère qu'il va pas le foirer. Hein. Ah, j'espère qu'il va pas le Sabiri, foirer. très peu d'élan. Oh, les gars. 3 ou 4 pas face à Unai Simon, c'est parti. Let's go! Let's go! Premier penalty dedans, let's go! Let's go! Let's go! Oh putain, let's go! Let's go! Let's go! Les Espagnols sont obligés de faire mieux. Let's go! Il est bien tiré ce Oh là là là, penalty. il a bien tiré, ouais, il a bien tiré le pénal. Les gars, je suis en train de bouger sur mon fauteuil là. Oh là là! Oh là 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 C'est là là pour là! cela qu'il est monté, Sarabia, à quelques minutes de la fin. Il a eu une énorme occasion. Il a flirté avec le poteau droit de Bono dans les derniers instants de la prolongation. Sarabia, Allez, dans son allez, allez, poteau. allez! Pour rester dans le coup. Et égaliser. Sarabia, quelle tension. Ça a bien la raté! Ça a bien la raté! Oh purée, il l'a raté! Il l'a raté! Il l'a raté! Il l'a raté! Oh purée, il l'a raté! Poto, il a pas de chance! Il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, il a frappé Poto de nouveau pendant le. Oh là 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 là, il a pas de chance lui! Deux poteaux en 10 minutes! Il a pris deux poteaux en 10 minutes! Les gars! Oh là là! Allez le Maroc, allez! Oh putain! Oh putain! Ah les gars, j'espère que vous regardez tous le match là. J'espère que vous regardez tous le match les gars. Désolé les gars si je gueule fort. Oh, j'espère que vous regardez tous le match les gars. Ouh, allez, Ziyech, let's go. C'est pas fini, non, 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 c'est pas fini Christo. C'est loin d'être fini mon ref, c'est loin d'être fini. Vas-y Ziyech, concentration, bismillah. Bismillah. Yeah, let's go, 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 let's go. C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Hein. Bien joué mon ref, bien joué. Oh putain, je m'imagine même pas les cafés maintenant, le quartier, comment il est mrouen là en ce moment. Ah c'est dommage, je peux pas vous montrer les gars, j'ai fait des tentatives, j'ai même découpé ma co, j'ai dû relancer le live. Mais voilà quoi, on fait avec, on fait avec. Là. Dans l'obligation, regardez comme il va mettre au fond. Il est en train de lui parler. Moi je dis à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Ah, il a pris!
putain de merde, on l'a pris, c'était à gauche. On l'a pris. Oh, bismillah. Oh là 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 là. Oh purée, non. Incroyable. Incroyable. En plus, moi j'avais dit à droite, c'était à gauche. Bismillah. Oh les gars. C'est pas encore fini, fini. Hein. C'est pas encore fini, fini. Hein. C'est pas encore fini, fini, les gars. On a fait monter, finalement. Hein. Peut-être pour son aptitude à frapper les pénaltys. Ce n'est pas encore le pénalty décisif, mais ça pourrait bien l'être. Parce que 3-0, ça mettrait une pression insoutenable sur notre tireur espagnol suivant, Benoun. Non, il a arrêté, non. Ah là 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 là, la pression les gars, la pression. Oh là là. C'est pas terminé cette séance. Oh le stress. Ouais, c'est une pression incroyable hein, sur les épaules de ces joueurs. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Occasion unique de remettre son pays sur les bons rails. Busquets. Busquets. Passe à Bono. Ouais, je lope. Vivement que le Maroc passe son. Busquets. Yes! 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 Oh putain! Oh putain! Il a arrêté 3! Putain, mais c'est qui ce gardien? Oh non, 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 non! Oh purée! Oh purée! Oh purée! Ah mais les gars, il est où Courtois? Il est où Courtois? Il est où Courtois? Il a arrêté 3 pénalties! Oh là là, il a arrêté 3 pénalties à Sahbé! Oh là 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 là! Bismillah, bismillah, bismillah! Les gars, c'est bon, on est passé là! Là, on est passé, on est d'accord! Attends! C'est la qualif, c'est la qualif. Maroc en quart de finale, les gars. Maroc en quart de finale, les gars. Ouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est passé, les gars. On est d'accord, on est passé. On est passé, les gars. C'est bon. Non, c'est, il reste encore une chance. Vas-y, vas-y, Hakimi, Hakimi. S'il marque, c'est bon, les gars. S'il marque, c'est bon. Portugal, on est là, on est là. C'est qui? Ça va être contre qui, les gars? Oh, les gars, non. Oh le stress, oh là 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 là, oh là là les émotions. Vas-y Hakimi, bismillah, let's go, bismillah, 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 Hakimi, let's go. Hakak mon ref, hakak, 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 on est qualifié. Let's go, 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 let's go. Quel exploit de la part du Maroc. Quatrième pays africain de l'histoire à se qualifier pour un quart de finale de Coupe du Monde. Ils ont été chercher cela avec un cœur gigantesque, gigantesque. Ça va laisser des traces, certainement au niveau du physique, de l'énergie pour le quart de finale qui s'annonce. Mais Philippe, on sentait que cette Espagne était tout simplement stérile. Les Marocains ont eu les meilleures occasions dans ce match, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont arrachés, tout simplement. Elle n'est pas volée, cette qualification, même si Sarabia a eu le but de la qualif à la dernière seconde. Je pense qu'au niveau de la mentalité, du caractère et de l'organisation, et un gardien en super forme, elle n'est pas volée, cette qualif, au vu des 120 minutes. Félicitations, en tout cas, au Maroc, qui vient d'écrire l'histoire. Exactement, bravo à Walid Rekragui et à ses joueurs qui se sont donnés corps et âme. Et on pense aussi évidemment à cette équipe d'Espagne qui était citée parmi l'une des favorites au titre mondial. Mais on a revu un peu notre jugement après ce premier tour et la confirmation est venue, Philippe, dans ce match, certainement. Ouais, l'Espagne était outsider avant cette Coupe du Monde. Quand on voit le Brésil ou la France jouer, c'est encore un ou deux cran au-dessus. Voilà donc, on se quitte sur cette image. Et le héros du jour, bien sûr, le gardien qui a. Ben c'est, il en a arrêté trois là, comme le gardien croate hier. Livakovic, Bodo, même combat. Exactement. Et même joie. Et le public marocain, on l'imagine chez nous, mais aussi ici à Doha, aura encore un fameux match à discuter en quart de finale. Ce sera face au vainqueur
du dernier huitième que vous pourrez suivre tout à l'heure entre le Portugal et la Suisse. Les larmes sont espagnoles et l'exultation est marocaine. Ouais, les gars, on est à combien sur le live? Attends, les gars, j'arrive. Attends. Ouais, les gars, j'ai envie de sortir là, mais bon, je vais d'abord finir ce que j'ai à faire là. Ouah les gars. Les gars, c'est incroyable les gars. On est passé. Non. Ah, je fais la fête tout seul les gars. Comment ça marche? Je suis déglingo. Let's go. Oh purée, j'aurais dû sortir les gars. Oh putain, j'aurais dû vivre le match à l'extérieur, mais... Ah les gars, quart de finale, bordel de merde. Contre qui on va jouer maintenant? C'est qui les prochains les gars? C'est qui le next? Who's next? C'est qui le prochain les potes? Wow. Bon, attends, je vais éteindre cette télé, j'ai plus besoin de la télé. Je vais revoir après le match, les rediffs, les... C'est bon les gars. Putain, c'est bon. Oh là 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 là. Attends, j'arrive les gars, je vais éteindre la télé. Victoire du Maroc, tir au but. Calilou, c'est l'Afrique qui sourit hein, au-delà du Maroc. Ah là là, l'Afrique, on est là les gars. On représente l'Afrique les potes, on représente l'Afrique, on est là. Attends, l'Afrique sourit parce que c'est la quatrième fois que ça arrive dans une Coupe du Monde. C'est la quatrième fois que ça arrive en Coupe du Monde. Et on va plus loin que ça. On va aller nulle part. On va rester ici. On va rester ici, les gars. On va pas bouger. Qatar est à nous. Attends, éteins-moi cette télé. J'arrive, les potos. J'arrive, les gars. J'arrive. Hein. Ouh, putain, trop d'émotions là. Oh là 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 là. Non, alors éteins-moi ça. C'est bon. Je vais faire quoi? Je vais rebrancher la play, les gars. Ça valide, ça me... Attends, je rebranche la play. Wesh les potos. Wesh les potos. Ah les gars, on est là. Oh putain, elle est où passer la télé? Le jeu? Ah, le jeu il est là. Ok. Putain, j'ai même pas allumé ma lumière, rien. Les gars, je vous avais dit 200 likes, je vous balance la face cam. Mais les potes. Quart de finale, les gars. Quart de finale, putain, j'ai jamais célébré une victoire du Maroc de cette manière en live et tout. Ah, mais les gars, c'est incroyable. L'Allemagne, ils sont pas qualifiés, l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont pas qualifiés, les gars. Je crois que c'est qui? C'est Portugal? Attends, on va jouer contre qui, les gars? Attends, même mon personnage, les gars. Attends. Attendez, les gars. Ouais, les gars, je suis Mrouen, les gars. Oh, les collègues au travail. Oh, elle aussi, elle doit le faire. Vas-y, elle aussi, elle doit le faire. Allez, cher l'Espagne, gros cher, vous voulez pas jouer contre le Japon. Vous voulez jouer contre le Maroc, l'Espagne. Et ouais, cher l'Espagne, tiens, bien profondément. Let's go. Et vous voulez pas jouer contre l'Espagne, le Japon. Et ben voilà, frère. Voilà, les lions de l'Atlas, c'est ça, les gars. Vous voulez pas jouer contre des Pokémon. Vous voulez jouer contre des lions. Eh ouais, frère, ça se termine comme ça, les gros chats pour l'Espagne, les gars. Let's go. Ah, mais après, les gars, il faut rester humble. Parce qu'il y aura encore des défis, les potes. Il faut rester humble. Alhamdoulilah. Franchement, ils ont bien joué. Ils ont bien résisté, l'Espagne, quand même. Moi, comme je vous ai expliqué, les gars, j'ai pas trop kiffé la petite tactique de manœuvre de Hachek pour, tu vois, esquiver le... Pardon, qu'est-ce que je dis? La Croatie, pas le Japon, la Croatie, les potes. Je suis perdu dans ma tête. Ouais, les gars, après, je vais faire un tour dehors. Mais bon, là, maintenant, je vais rester calme. Je vais attendre que ça se calme un peu, les gars, parce que j'ai pas envie de finir en GAV. Mais en plus, on a du farm à faire, les potes. On a du travail à faire. Waouh, franchement, incroyable. Je suis super content. Hey, MK, arrête le live pendant les matchs, enfoiré. Non, frérot. Oh là, je devais faire ce live aujourd'hui, imagine. Franchement, c'est hyper cool. Toutes mes félicitations, les Marocains. Un grand merci. Après, peut-être qu'on va faire plaisir à l'autre bâtard là. Qu'on va jouer peut-être contre la France. Attends, le micro, il dit quoi, les gars?
Ah les gars, incroyable. Maintenant, juste encore un bon DLC. Juste encore un bon DLC GTA. On est refait pour l'année 2022. Merci Alexandre Taquet. Maroc 3-0, Espagne tire au but. Bien vu, poteau. Franchement, mais les gardiens, les gars. Les gardiens, c'était pas du chichi. Il a arrêté 2 ou 3, je crois. 2 ou 3 pénaltys, il a arrêté. Franchement, il était déter. Le Maroc, ils étaient déter, les potes. Franchement, super bon travail. Incroyable. Mais franchement, ils rivalisent. Ils sont très rivales. Je veux dire, ils ont... Je vais pas dire qu'ils ont le même niveau, mais les gars, le dernier match Espagne-Maroc en mondial 2018, c'était 2-2, les gars. Franchement, le Maroc, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pensé, peut-être qu'ils ont rien pensé, peut-être que c'était vraiment le pur hasard, qu'ils ont vraiment perdu contre le Japon, l'Espagne. Mais ouais, non, franchement, les gars, c'était chaud, c'était serré, les gars. Franchement, c'était un match de titan. On est tous d'accord que c'était un match de titan, les gars. Bravo pour cette qualification, le Maroc. Merci Lorix, merci Pogos, merci, merci Portugal-Maroc, ça ferait un beau match. Après le Portugal, moi, pour moi, je suis hyper fan de Ronaldo. Tu vois, ce sera comme un peu la Belgique-Maroc. Hein, parce que j'avais quand même de la peine pour la Belgique. Tu vois, c'est deux pays qui me tiennent à cœur, qu'ils ont dû s'affronter. Et tu vois, Portugal-Maroc, de nouveau aussi, parce que j'ai énormément de sympathie pour Ronaldo, les gars. Je vous parle sérieux. Hein. Pour moi, c'est un des joueurs les plus pieds sur terre dans le game. Hein. Je vous parle sérieux, les gars. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Je parle pas de Benzema, tout ça aussi. J'apprécie énormément et tout. Mais parmi les grandes stars, tu vois. Et après, si c'est Maroc-Portugal. Justement, attends, on va regarder les classements, les gars. On va regarder les classements sur Internet, les gars. Attends, je vais vite aller sur mon téléphone. Je vais regarder ça. Je pose ça là, Maroc, équipe de chanceux. Ciao. Je pose ça là, le Maroc, équipe de chanceux. Ah tiens, c'est équipe d'athlètes, frérot. C'est une équipe de guerriers. Ouais, c'est les Lions d'Atlas. Qu'est-ce que tu racontes, équipe de chanceux? Il n'y a pas de chanceux, frérot. Maroc, c'est pas parce que l'Algérie... Même si j'ai beaucoup d'appréciation pour l'Algérie. Yo, online V2A, wesh wesh. J'ai beaucoup d'appréciation pour l'Algérie. Moi, j'aime bien les Algériens, contrairement aux Algériens qui n'aiment pas les Marocains. Moi, j'aime bien les Algériens, les gars. Wallah, que je les aime beaucoup. C'est pas comme les Tunisiens. Les Tunisiens, c'est neutre. Mais les Algériens, je les aime bien, les gars. Wallah, que j'ai. Voilà quoi. Bref, je vais pas commencer à rentrer dans les détails et tout. Mais je sais que vous, vous nous aimez pas. Mais écoute, c'est votre problème, hein, Marou. Je suis désolé. Comment tu te sens là? Là, j'ai envie de sortir, les gars. Mais je vais d'abord continuer mon jeu, les gars. Il faut. Je vais pas commencer à me mélanger. De toute façon, la fête, elle va durer jusqu'à minuit, je crois. De toute façon, je vais sortir faire un tour après. Et maintenant, je vais continuer à jouer, les potes. De toute façon, ça sert à rien, c'est le bordel. J'ai commencé solo le match et tout. Je suis à la maison tranquillement. Je vais sortir dans pas longtemps, les potes. Mais d'abord, je vais finir mon farm. Désolé, j'ai dû couper le live. Le live, il s'est coupé par accident, les gars. J'ai dû le relancer. Attends, attends, je veux regarder contre qui on va jouer, là. Je veux savoir contre qui on va jouer en quart. Les gars, on est en quart de finale, putain, les gars. Les gars, on est à deux pas de la finale. Les gars, on est à deux pas de la finale. Le Maroc est deux... Et les gars, vous avez vu l'équipe, comment elle est qualitative cette année. Allez, ce mondial, l'équipe, elle vaut pas, les gars. C'est du caviar, les potes. Franchement, rien à dire. Les joueurs sont top, ils sont en forme. Franchement, l'équipe, le team play là, franchement, l'esprit d'équipe là, oh, putain, non, franchement, après, ils sont bien organisés, tu vois, ça c'est super important. Les gars, je veux savoir contre qui on joue, attends, je vais regarder sur mon téléphone. Ah oui, putain, je veux regarder la vidéo de Mohamed Henni, les gars, je veux regarder la vidéo de Mohamed Henni, putain, j'ai envie de savoir ce qu'il va dire sur le Maroc. C'est un Marocain, lui, c'est pas un Algérien, on est d'accord. Mohamed Henni, c'est un Algérien, c'est un Marocain. C'est un Marocain, les gars. C'est un Marocain, Mohamed Henni. Ah ouais, il va tout... Ok, quart de finale à venir, c'est le samedi, le 10 du 12. Mais contre qui? On sait pas encore contre qui, les gars. Ça va être ou bien... ah oui, ça sera ou bien Suisse ou bien Portugal. Je pense que ça sera Portugal, les gars. C'est Portugal. Portugal, on va jouer contre le Portugal, les gars. L'Angleterre, ils sont contre la France. Putain, on dirait la guerre des 14-18. Pays-Bas, Argentine. Pays-Bas, ils ont leur chance. Croatie-Brésil, les gars, ça, c'est un beau match aussi, hein. Croatie, vice-champion du monde, Brésil, c'est le Brésil, les gars, c'est pas, et ouais, non, franchement, ça s'annonce du lourd, hein. après, les gars, si le Maroc y passe en finale, ce sera ou bien l'Angleterre ou bien la France, les potes, ce sera ou bien la France ou bien l'Angleterre, donc le bâtard, il aura son match, peut-être, hein. Bon, nous, si on joue contre Portugal, les gars, on a toutes nos chances, l'exploit qu'ils font le Maroc dans ce mondial, on a toutes nos putains de chances, les gars. On est voué à réussir, les potes. Ah là là, donc ce sera ou bien... Je pense pas que ce sera le Suisse, les gars. Vous pensez Suisse ou Portugal? Moi, je pense Portugal, les gars. Le match est ce soir, hein. On le saura ce soir, les potes, hein. On le saura ce soir, il est 19h. On le saura ce soir, les gars. Waouh, franchement, les potes. Waouh, là 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 là. Ah, ça doit être ruiné dehors. J'ose même pas les regarder, les gars.
Voilà, là. Franchement, incroyable. J'étais un peu stressé avant le match. C'est pas pour ça que j'ai pas regardé, que j'ai lancé le live. J'allais pas le rater, mais je me suis dit, bon, le résultat, il aura lieu. Allez, le résultat final, c'est déjà prédestiné, les gars. C'est Mkhitaryan. Ok, bon, petit moment de joie, d'euphorie. Le vrai travail continue, les gars. On est à deux pas de la finale. On n'est pas à deux pas de la finale, on est à deux pas de l'obtenir, mais on est à un pas de la finale. Attends, si je me trompe pas, parce que moi je suis un peu perdu dans ma tête. Non, il y a encore quart de finale, il y a encore les demi-finales. Ouais, non, il y a encore deux. Ouais, bon. On est qualifié, Bilal. T'as vu ça, frérot? Là, c'était incroyable. Tu sais que j'ai pas regardé à fond le match complet. J'ai regardé de temps en temps, comme ça, pendant les pauses. J'ai regardé les 5 dernières minutes. J'ai regardé les pénaltys. Mais les pénaltys, ils ont fait quand même un exploit, les gars. Après, pénalty, bon, ça reste. Tu vois, c'est une chance sur deux. Mais les gars, franchement, il a représenté le gardien. Ouais, franchement, il a fait son taf de ouf. J'ai saboté le live en parlant de foot. C'est pas grave, Majin. C'est pas grave. Tu peux saboter ce que tu veux, mon ref. Ça commence déjà à péter dehors, c'est sûr. Aïe. Moi, je vais attendre que ça se calme, les gars. Je vais faire un petit tour dehors plus tard. Mais bon, l'euphorie, elle aura descendu un peu. C'est pas comme si maintenant, je sors maintenant. Bref. Notre gardien, il a tout arrêté. T'as vu ça? Franchement, incroyable. Bon, les gars, vous êtes chaud? On continue le jeu ou pas? On continue le jeu, les gars. Je vous avais dit 200 likes, je le balance la face cam. Mais là, obligé, les gars, let's go. Tahia le Maghreb. J'arrive, les potos. Je vais juste remballer tout ça. J'arrive. Ah, écoute, je me dis, autant terminer en face cam le live ou pas? Ils étaient un peu stressés, les Espagnols aussi, les gars. Ils étaient un peu stressés. On le termine en face cam ou quoi, les gars, le live? Attends. Mais je vais juste la diminuer, hein, parce que sinon, ça va faire trop de encombrant sur l'écran. Après, je suis pas habitué à live de face comme ça. D'habitude, je mets toujours ma caméra comme ça là-bas et on me voit de profil. Ah, écoute. On va faire ça comme ça, les gars. On continue le petit farm. Oh, mauvaise fenêtre. Ah, les gars, incroyable, incroyable. Incroyable, les potes. Franchement, incroyable. Incroyable, les potos. Incroyable. L'Espagne, les potes. On a éliminé l'Espagne. Qu'est-ce qu'il a, Wizix? Pourquoi il se fait éliminer par Crissot? Wizix, pas de spam, il a spam quoi? Ah ouais, les gars, malheureusement, on va relancer le live à zéro. Eh ben, franchement, les potes, nouvelle manette. Let's go. En plus, ça donne bien avec le noir, on dirait la manette de Dark Vador. Les potes, on va farmer ou quoi? On va farmer, les potes. Je suis un peu perdu dans ma tête, les gars. Je vous parle sérieux, je suis un peu perdu dans ma tête, les gars. Je suis. Ok, fin. Les gars, vous êtes chaud, on incruste une petite pause de 2 minutes. Et je farme tous mes business avant de sortir, avant d'arrêter le live. On est d'accord? Je vais farmer tous les business que j'ai promis de farm sur ce live. Allez, sur le live précédent qui a coupé. On va faire tout, on va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas tout fait. Mais je vais me prendre 2 minutes de pause, les gars. Je vais faire un ou deux trucs. Restez branchés, les potes. J'arrive tout de suite, les gars. Je vais couper le micro en attendant, hein, parce que comme ça, je pars privé. J'arrive tout de suite, les potos.
Wesh les poutous, on est de retour, tranquille, zen, zen attitude pour le farm. On se dit let's go. Je sais pas qui est resté sur le live. Merci les gars, il est coincé aux toilettes. Non, je suis parti cramer 2-3 voitures, m'a dit je viens de finir. Il est parti se calmer un peu. Est-ce que vous m'entendez les gars? Non, je suis parti cramer. Ok, let's go. Bon les potes, on va se concentrer que sur le jeu, on va plus parler de foot maintenant. Le farm les gars, donc on est en session publique, 29 joueurs. Et on a la faux papier à vendre. Ah franchement je m'en balèque maintenant. Franchement s'il y a des tryhards qui m'attaquent, allez des tryhards, des griffeurs hein, eh ben franchement hein, je vais riposter, je vais m'amuser. Tu achètes tout sur le prochain DLC, évidemment Mika, on fait ça sur chaque DLC poto. Alors on fait une réa pro, il y a déjà une réa pro. On va vendre le stock à 315k plus un bonus éventuel. Voyons voir ce qu'on aura qu'en vente. J'ai prévu ma femme que ce soir je dors en. Imagine. Lahfod, j'espère pas pour toi frérot. J'espère que tu rentres sain et sauf chez toi frérot. Ta femme, les gosses, tu connais, faut pas. Moi franchement j'ai bien fait de rester à la maison aujourd'hui. Ça, tu vois, ça peut peut-être éviter le pire quoi, le des encombrements, des problèmes. Pas que je suis quelqu'un de. De violent les gars, moi je suis très, tu vois, je suis un père de famille, hein. MK, force, merci Chrisso. C'est dommage, la caméra elle est pas fluide. Je sais pas. Ok. Putain, le premier live, face cam sur YouTube, il a fallu que le Maroc soit qualifié pour le quart de finale pour en arriver. Pour en arriver là. Sinon, si je compte sur vos likes et tout, je pense qu'on va jamais les atteindre, les 200 likes. Hein. Peut-être le jour du DLC, le live stream du DLC. Oh les gars, j'ai reçu le camion poubelle de nouveau. Regarde comment il est garé celui-là. On le fait. On le fait les potes. Oh regarde, il va exploser. Non, 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 il va exploser. Regardez, il va exploser les gars. Il a déjà explosé. Oh les bâtards. Les gars, regardez, je viens de lancer le jeu. Je viens de lancer la vente. Regardez le camion poubelle, il fume. Il a explosé tout seul. Ça fait 2 secondes que je suis dans la vente. Ouais, non les potes, on va... Non, non, pas ça quand même. Pas ça la Rockstar. Non, non, pas ça. On va faire quoi? Apparition. On va faire dernière. On va changer de session les potes. Non, faut pas abuser non plus. On était flexible, mais pas pas ça non plus. On va pas se faire arnaquer. Hein. Dernière position. Je vais garder ma tenue rouge pour le pour célébration. Par contre, je vais quand même la changer vite fait. Voilà pour le sauvegarde. Mortier et feu d'artifice dans mon quartier MK. J'ai entendu dehors aussi, il y a un peu de zbeul, mais ouais. Après, j'espère que ça va pas dégénérer non plus, sinon ils vont de nouveau gâcher le plaisir. Il faut que ça reste dans le cadre du plaisir et dans la célébration. Après, s'il y a feu d'artifice et tout, ça va, mais il faut pas endommager, les gars. Pour ce... Allez, je pense pas qu'il y en a qui regardent mon live qui sont à l'extérieur maintenant. Mais il faut pas. Il faut pas endommager les affaires des autres, tout simplement. Hein. Pas toucher les affaires des autres les gars. Imagine c'est votre voiture, imagine la Belgique il gagne, il pète quelque chose et puis voilà il vient il casse nos voitures à nous. Ah les potes faut rester. Même les hooligans, les plus hooligans ils font bon. Ils cassent mais pas trop non plus. Nous les chorotons ailleurs. Bon session publique les gars, let's go. Ça commence à péter un peu, c'est vrai. Bon moi je suis à l'abri dans mon bunker. Ah là là les gars. Non j'espère que ça va pas dégénérer comme le premier match hein, en tout cas. Le premier match contre la Croatie, ils sont partis un peu loin au quartier, mais surtout à Naissance. C'est pas mon quartier à Naissance, moi je viens pas d'à Naissance. Mais on verra, les gars, on apprendra les nouvelles dans peu ou même demain. On verra bien, les potes, on verra bien. Ok, on retente une tentative parce que j'ai un camion qui a pété, les gars. Sans faire exprès, allez, je veux dire, c'était pas de ma faute. C'était le spawn qui était... le spawn, il a spawn bizarrement. Le camion, il a explosé. Donc, on va relancer la vente. Chrisso, toi, t'es à XL. XL aussi, ça pète ou pas? Les gars, par contre, quand vous perdez une partie du produit dans le... Comment on appelle ça? Le faux papier. Il y a qu'une infime partie qui disparaît. Hein, comme vous pouvez voir en bas à droite. Non, t'inquiète, MK, je suis jeune marié, jeune père de famille. Je rentre à la maison ce soir car j'ai plus peur de ma femme. T'as raison, mon ref, t'as raison. T'as raison. Après, tu vis en Belgique, imagine, ou en France.
Je suis de Woluwe. Ah ouais, Woluwe, c'est calme. Hein. C'est calme. Moi aussi, chez nous, c'est calme. Il y a eu un peu des cris de célébration et tout. Les post-op, les gars. On parie combien que c'est les post-op? Eh oui! Il force, Rockstar. Il force. Je vais pas la faire, les gars. Tu vois, c'est ça qui fait que la plupart des joueurs, ils arrêtent les clubs de motards. C'est trop toxique, les gars, les ventes qu'ils nous donnent, les véhicules. Vous avez vu, j'avais les camions poubelles juste avant. Je me suis dit, bon, pour la énième fois, c'était la deuxième fois qu'on allait les faire. Je me suis dit, bon, je vais les faire. Et les gars, pourquoi il y a 27 personnes qui regardent et il n'y a pas 13 likes, il n'y a que 13 likes? Il y a la moitié des likes, les gars. C'est quoi? Vous ragez parce que le Maroc il est qualifié pour l'écart? Likez quand même, bande de bâtards. Ah oui, si vous avez pas... ceux qui ont liké, c'est des boss. Ceux qui n'ont pas liké, c'est des bâtards. Likez, bande de bâtards. Donc voilà, j'avais reçu les camions poubelles. Je me suis dit, bon, je vais les faire. Mais le spawn de Rockstar, il a fait qu'un camion a déjà été explosé sans intervention d'un joueur cancer ni quoi que ce soit. Donc non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vis France, frérot. France-Maroc en finale. Je vais au Heps. Ah oui. Ah oui. France-Maroc, franchement. Putain, je m'imagine même pas, les gars. Ça devrait être comment en Espagne? À Barcelone, Malaga, Madrid. Il doit se passer. Vous pensez qu'il y aura des émeutes là-bas? Moi, je sais que les Marocains d'Espagne, ils sont tout doux. Hein. Ils sont bien. Ils sont tranquilles. C'est pas comme ici en Belgique, Hollande, France. En Espagne, les Marocains, ils sont un peu plus. Je dis pas respectueux, hein, parce que ça n'a rien à voir avec le respect, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus tout doux comme ça. Si. Voilà, peut-être que je me trompe, mais bon. Mais je sais pas comment ça va se finir là-bas. En tout cas, le match Belgique-Maroc, Dréré, ils ont été respectueux. Il n'y a pas eu trop de casse. Il y a eu que des célébrations. Il n'y a pas eu de casse du tout, si je me trompe pas. Le dernier match Belgique-Maroc. Il n'y a pas eu de casse. Hein. Ils ont respecté. Je sais pas pourquoi ils ont tout pété, Maroc-Croatie, ils ont tout pété. Je pense que Belgique-Maroc est... Ouais, non, c'était tranquille. Mais après, je sais pas en Espagne comment ça va se passer. Ok, les gars, j'ai trois hélicos. Je vais les faire. Let's go. Je suis pas un tarba. J'avais... Darkplay! Darkplay, c'est ton oubli c'est ton oubli, c'est lui le bâtard. C'est pas toi en personne. C'est le chétan qui t'a fait oublier de liker. C'est lui le bâtard. Bon, les gars, j'ai trois hélicos ici. On va les faire en vitesse. La session, elle est très remplie. Let's go, les potes. Moi, ils deviennent déjà fous près de chez moi. Après, tu vois, chez nous, en Belgique, Vilvoorde, les gars, Vilvoorde. Vilvoorde, c'est quartier espagnol. Hein. Il y a une grande communauté espagnole à Vilvoorde. Hein. Est-ce que vous pensez que ça partir en couille là-bas ou pas? Ah non, les potes, franchement, c'est une célébration, les gars. C'est une super bonne nouvelle. Le Maroc, ils ont fait ce qu'aucun pays africain a su réaliser. L'équipe, elle est toka, les potes. Franchement, l'équipe marocaine, elle est en pleine forme. On peut aller loin, les gars. Moi, je dis les demi-finales. Comme on a dit, à 8h, il y aura le match. 19h. Regarde, j'ai repris le live et le farm. J'ai dit, les gars, on va plus parler de foot. Hein. Mais on est obligé, les gars. On n'y peut rien. Donc voilà, ce sera Suisse ou Portugal. Moi, je vise le Portugal. Mais on a toutes nos chances contre le Portugal. Hein. On a toutes nos chances contre le Portugal, même s'il y aura Ronaldo. Bref. Possible. Moi, ils deviennent déjà fous près de chez moi. Je veux pas faire de propagande. Mais nous, les Marocains, on n'est pas des casseurs, à part quelques abrutis. Comme partout. Mais j'invite tout le monde à venir au Maroc. On a la meilleure hospitalité du monde. Et l'hospitalité, c'est qu'une chose parmi plusieurs. Et en fait, ce que j'allais dire aussi, c'est que... Vous vous rappelez les casques qu'il y a eu contre le match Croatie, Maroc-Croatie à Bruxelles? En fait, les potes, j'ai cultivé une théorie en fait. Je me suis dit que en fait c'est des infiltrés extrême droite qui sont déguisés en rebeux. Tu vois, il faut pas beaucoup pour ressembler à un rebeu, hein, un petit dégradé, un training et puis c'est bon. Hein. Survêt, basket. Je pense qu'il y a eu des infiltrés, les gars, et qui ont incité une infime partie à casser et que tout le monde a suivi. Et bon, les gars, bon, ce qui s'est passé, c'était dommage, mais il y a eu déjà pire. Moi, je pense que c'est ça, les gars. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que ceux qui ont commis les casses et tout, c'est certes, c'est des jeunes du quartier,
Mais je pense pas que c'est... Il y a eu des infiltrés qui ont incité, les gars, qui ont allumé la mèche. Wallah que c'est possible, les potes. Ça s'est déjà arrivé pendant certaines manifestations et pendant des manifestations pacifiques où il y a eu des contreparties d'extrême droite ou quoi que ce soit. Ils infiltrent les manifestations et tout. Ils foutent un peu la merde et la meute, elle suit. C'est possible, les gars. C'est possible parce que moi, je me dis dans ma tête, je me dis, quelle logique dans obtenir une victoire et aller réagir comme ça. Il n'y a aucune logique là-dedans. Bref. Attendez, les gars, je vais péter mon hélico. Yo, MK, tu cherches un logo, je suis graphiste. Ah, Zorka, Unlucky, contacte-moi sur Instagram, frérot. Peut-être qu'on pourra en discuter tranquillement sur Instagram. Tu me proposeras tes projets. Allez, tes projets. Et je vais voir, hein, peut-être si quelque chose m'intéresse. On verra bien. Sur Insta, mon ref. Salut, salut, Hugo. Bienvenue sur le live, poteau. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé, hein. Big up à Hugo Boss, le boss du game. Ça va, Rav 4. Rav 4, je suis pas en MK2, poteau. Donc, je pourrais pas te montrer l'exploit que j'ai fait avec l'MK2. Mais peut-être plus tard, je suppose qu'on va encore utiliser la MK2 sur ce gameplay de ce live. Ok, les potes. Oh putain, il y a un MK2. MK2, 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 MK2. MK2, merde. MK2, MK2, MK2. Il y a un MK2. Il faut que je prenne l'altitude. J'ai encore un stock. Ah putain, le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. J'ai même pas de missile sur mon Sparrow. Sur mon hélico. Oh putain. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Les gars, je vais l'éclater si. Attends, les gars, je vais arrêter le farm. C'est une petite vente à 300k, les gars. Comment il s'appelle le mec? Ouais, bon, il va me niquer là. Attends, je vais prendre un max d'altitude. Hein, on va essayer de le. Regarde. Oh putain. J'ai esquivé pas mal de missiles. Ah le bâtard, comment il s'appelle? Artax Xerxes 34. Artax Krax. Ah les gars, oh là là, oh putain. Attends, on va le fatiguer un peu. Les gars, c'est bon, la vente elle est niquée. La vente est niquée, les gars. Mais on va s'occuper de lui, les potes, on va pas changer de session. Sa mère la vente, c'est 300k. Mais je vais quand même le fatiguer un peu, je vais essayer de monter un max. Juste pour le fatiguer. Et on va s'occuper de lui, les gars. On va s'occuper de lui. Artax Xerxer, je sais pas quoi là. Artax Xerxes 34. Allez, est-ce qu'il va abandonner ou pas? Il va rien lâcher, hein. Il va rien lâcher, ce bâtard. Il va rien lâcher, hein. Il va rien lâcher. Il est où? Il est là. Il a plus de missiles. Chier, il a plus de missiles. Oh, si, il a encore des missiles. Oh là là, regardez GTA. Oh putain, il va niquer l'hélico. Putain, l'hélico, il prend pas mal de missiles quand même. Ouais, c'est bon, il va me niquer maintenant. Il a pris pas mal de missiles, l'hélico. C'est quand même fun, hein. Ouh, il est en train de gaspiller. Oh putain, non. J'ai envie de survivre alors qu'il aura plus de missiles. J'ai envie qu'il gaspille tous ses missiles. Ah putain, je peux les choper avec les hélices peut-être. Je vais essayer de les choper avec les hélices. Ah non, trop tard. Je veux le tuer avec les hélices. Non, là il va m'avoir. Ah, l'hélico il est en train de lâcher. Ah les gars, 4... Ah c'est bon. Allez putain, je... Oui. Oh. Putain, j'ai envie de... Ah c'est bon, il a niqué tout. Ok les gars, on va... C'est bon, on annule la vente. C'était 300k. On annule la vente les gars. On va s'occuper du mec, hein. Droite au but a détruit des marchandises. Droite au but, c'est ça son crew. Il va aller niquer mes autres hélicoptères maintenant, je suppose. Ah les gars, on va passer au free mode là, on va arrêter le farm. On va arrêter le farm quelques instants. Ah, il est trop haut, hein. Il est trop haut, hein. Ok, je vais prendre mon MK2 à moi. Comme j'aime pas les concerts comme ça. Et t'as vu ça, mec? Il a rien voulu lâcher. Il voulait aller jusqu'au bout. Hein. Il voulait aller jusqu'au bout. Hein. Après, je sais pas. Est-ce qu'il voit mes autres hélicos ou pas? Parce qu'on dirait pas qu'il se dirige vers les autres hélicos. Oh putain, il y a un autre MK2 à mes trousses là. Il y a un autre MK2 à mes trousses. WS Elias. Elias, c'est un nom de rebeu, frérot. Fais pas ta pute, Elias. Ah, attends, il est descendu de son MK2, Ah putain, Elias, il va me les casser. Il est là. Ah putain, Elias, il va me les casser.
Mais pourquoi il me cherche, Ilias? Putain, ils me cherchent tous. Putain, il est où? Putain, combat de MK1, les gars. MK2, pardon. Putain, après, j'aurai plus de missiles. Ah, le bâtard. Ah, j'ai plus de missiles. J'ai plus de missiles. J'ai plus de missiles. Waouh, concert land. Concert land. Allez, putain, première personne, wesh. Salope. Allez, montre-toi. Ah, le bâtard, il a fait quoi, là? Il est où? Il est tombé, non? Ah non, il est encore là. Ah, il a pas d'explos, ce bâtard. Oh, il a des balles explos, merde, merde. Allez, PNJ. MK, tu es dans une session pour espagnol, sors vite d'ici. Ouais, ouais. Oh là là. Il a des balles explos, ce connard. Ah putain, avec ses balles explos de merde. Putain. Yo, salut Sandrine Etna, wesh wesh. Ah les gars, c'est parti en vinaigre là avec les ventins. Putain, c'est où? Noobie time. Mais je vais l'enculer lui. Ah putain. Putain, putain, putain. Ilias, il a succombé. Il est où ce connard qui m'a détruit mes marchandises là? Putain, je suis même pas en club de en PDG, donc je peux pas utiliser BST. Pourquoi il s'explose là? Allez. Il est con, hein. Attends, j'ai une idée. Vite, 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 vite. Il a succombé. Ça, bâtard. Putain, le problème c'est qu'il a des balles explos, ça te paralyse. Même s'il tire à côté, ça peut te paralyser. Ça peut te mettre à genoux, quoi. À pied, à terre. Et après, il peut me finir. Attends, il est où? Il est où? Putain, mais il est où? RC, RC, RC! Il est en RC, il est en RC! Tu l'étais en RC, ce trou du cul! Oh lolo, il était en RC, ce bâtard! Quel cancer! Ah! Oh putain! Putain! Les gars, le stress, merde! Merde! Oh, c'est quoi? Mais à C4 au sol! Mais j'ai plus de C4, poteau! J'ai plus de C4! J'ai plus de C4, j'ai rien, je suis pas préparé au fight en fait. Je suis pas préparé au fight. J'étais pas préparé au fight, les gars. J'ai pas de C4, j'ai rien, je suis en club de motards. J'ai pas de BST. Oh les cancers.
Et ma marchandise, elle est toujours là. Maintenant, il n'y a personne qui l'attaque. Maintenant, il n'y a personne qui attaque ma marchandise. Ah, c'est qui me tire dessus, là? C'est qui, un mec, là? Mais putain, il a de nouveau disparu, hein. Il a de nouveau disparu. Il est là, il est là. Il a pris voiture RC. Il a pris voiture Emanitech. Ah, les gars. Pff. Les gars, je vais au pire des cas... Ah non, mais je veux rester dans la session. Mais non, mais il joue concert. Il joue concert. Il joue qu'avec des voitures RC. Mais pourquoi il est venu m'attaquer pour jouer avec des voitures RC? Regarde, il est là. Pourquoi il vient m'attaquer si c'est pour jouer avec voiture RC? On aurait pu faire un petit 1v1 sniper tranquille. Mais non, mais c'est quoi cette merde? Attends, on va la voir comme ça. Est-ce que je peux grimper ici? Ouais, non, ça grimpe pas. Tu vois, il va être juste ici quelque part, là. Il est là, ce bâtard. Regarde, il est juste là. Il est con, hein. Mais il est con. Et je peux rien faire contre lui. Regarde, il tire en plus. Il tire, il est con. Il y a un muraille, il tire. Allez, laisse-le venir. Combien de missiles je dois lui lancer pour qu'il explose? Ah, il est là. Ah, le bâtard. Il est con, regarde. Après, je vais me prendre 20 000 dollars et Mutuel Morse. Vas-y, on va voir s'il est con ou pas. Est-ce qu'il va rouler ici sur moi ou pas? Tu sais quoi, je vais faire mes petites... Attends, il est pas sorti de son véhicule, non, il est toujours dans son véhicule, ouais. Ruina, Bruxelles Futural. Ah, moi je suis Ruina, GTA, en live, tranquille chez moi les gars, rien du tout, pas de problème pour moi. Moi je veux profiter de ma journée demain tranquillement, après peut-être qu'il y en a, ils pensent que ça en vaut la peine, oui, mais non, mais je suis pas d'accord. Il est où ce bâtard? Oh, ah le bâtard, les gars. Il a pris RC Bandito. Après, il a pris voiture Emanitech et maintenant char d'assaut téléguidé. Mais il est con, ce mec. Il est vraiment con. Il est con. Il est con, ce mec. Il est con. Il sait pas qu'il est en live. Je suis en train de l'exposer en live. Attends, il est où sa merde, là? Il est où sa merde? Il est où sa merde? Ah, il est là. Ah putain, ils ont avec leur truc de merde là, comment on appelle ça, le nerf du MK2, il vise plus très bien le nerf du, avec le, bon bref, le nerf du MK2, ils sont plus précises les missiles. T'as vu, ils sont plus précis, je les gaspille un par un là. Allez, nique ta mère avec ta merde là, ton char de merde. Il est là les gars, il est là, il a respawn. Allez, chat bâtard. Il m'a mis un kill. C'est quoi qui m'a mis un kill? 2-1. C'est quoi qui m'a mis un kill? Allez, crève mon... Crève. 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 Putain, j'espère que j'ai encore des missiles. Ah, désolé les gars, je regarde pas le chat là, mais c'est une catastrophe, hein. Je suis sûr que c'est un espagnol, il s'appelle Elias. Les espagnols, ils nomment Elias, hein. Attends, il est où? Je le vois pas là. Après, je peux pas lui permettre de me tirer une balle de snipe. Je peux pas lui permettre ça. Attends, il est où? Ah, il est là. Ah putain, j'ai plus de missiles. J'ai plus de missiles les gars, je suis dans la merde, j'ai plus de missiles, je dois aller reprendre des missiles. Fais les missions. Il a trop la rage. Je continue ma vente. Viens, je continue ma vente. Mais tu vois, il aura bon après parce qu'il va venir exploser mes marchandises. Et il aura bon. Y'a personne, c'est un mec qui peut rejoindre la session. Non, les gars, est-ce que... Non, en vérité.
c'est que 300K. Je trouve que ça en vaut pas la peine de commencer à changer de session et compagnie. Il y avait un autre mec. Organisation activée, Orga Fantôme. Ok, les gars, après tous les véhicules téléguidés qui existent dans le jeu, il est passé en Orga Fantôme. Il est passé en Orga Fantôme. Non, il veut ruiner ma session, il veut ruiner mon expérience de jeu. Mais moi, j'ai besoin de cette session parce que j'ai envie d'attaquer deux personnes dans la session. Il y a lui et il y avait l'autre là, l'autre connard là. Comment il s'appelle encore? Attends, il a quitté lui, l'autre connard qui m'a attaqué en premier. Ah ouais, non, Elias, il va me les casser. Hein. Merci, Matt, pour le super chat de 3$. Frérot, big up à toi. Merci pour le soutien au Maroc, mon ref. Big up à toi. Et Matt, c'est un Canadien, les gars. Regardez le bon joueur. Canada soutient le Maroc. Belgique, ils vont soutenir le Maroc. Tout le monde. Croatie, ils vont soutenir le Maroc. L'Espagne, ils vont soutenir le Maroc. Vous allez voir. L'autre, il a quitté comme un noob. Ah oui, il m'avait envoyé un message en plus. Attends, comment son blaze? Alexa Xerxes 34. Xerxes 34. Il est plus dans la session. Hein. Il a quitté. Vous avez vu, les gars? C'est chimique. J'ai même plus envie de farm en vérité. Et l'autre, il est en Orga Fantôme. Il est là. Je sais pas. Moi, je fais quoi? Je fais ma vente. Je fais pas. MK Chriso, Mr. Knight et Darkplay. Bonne soirée. Merci, Majin. Gros, gros, gros big up à Majin, mon ref. Un grand merci. Franchement, avec tes analyses et tout. Non, franchement, ta présence m'a fait super plaisir, Majin. On se capte la prochaine fois, frérot. Après, il faut qu'on joue ensemble là, un jour, Majin. Il y a pas longtemps, je me suis fait insulter et il m'avait même mis une prime sur ma tête. Mais dommage pour lui, mon personnage avait survécu à sa prime. C'est le, tu parles du même mec? Ouais, les gars, le Elias là, il va venir, il va exploser ma marchandise, je le sens. Hein. Et il aura bon, tu vois, il aura sa petite victoire. Ah, mais il est là. Je viens de le voir là, non? Il aura bon, les gars. Non, non, moi je vais les faire rager de cette manière, les gars. C'est bon. Je vais les faire rager de cette manière, les potes. Là, il rage parce qu'il n'a pas explosé de marchandises. Je l'ai laissé sur une défaite. Et pourquoi moi je vais lui donner? Parce qu'il aura bon, les gars. Il va aller se taper une branlette après. Quand il va exploser mes deux hélicos restants. Moi, je vous jure, c'était pas pour. C'était pas pour sauver la marchandise de 1 parce qu'elle valait 300K. Je m'en foutais. De 2. Le suspect principal, c'est-à-dire Xerxes, là, je sais pas quoi, il avait quitté. Elias, je lui ai mis un kill. Pourquoi je vais lui donner le plaisir supplémentaire d'exploser ma marchandise, même si elle vaut rien? Après, on peut éventuellement... En plus, le pire de pire, c'est qu'il joue tout le temps en invisible. Orga, RC, Char d'Assaut, Imanitech. Vous avez été témoin vous-même en plein live, les gars. Je peux pas perdre mon temps avec des gens comme ça. Ok les gars, viens, on va tenter une nouvelle vente. Je suis désolé les potes, j'ai fait que relancer les ventes. On en a déjà fait 3 je crois. On a fait coke, on a fait cannabis, on a fait fausse monnaie. Il reste faux papier et méthamphétamine. Venez les gars, moi je dis session publique, rien à foutre. On verra bien comment ça va se finir. On verra bien les gars. Faut les retrouver ces déchets de joueurs. De toute façon leur blaze, leur PSN on les a parce que c'est en live. On va retaper la rediff, si un jour vous les croisez, vous êtes sur PS5 les gars. De toute façon, toutes mes lives, il y a full de concerts qui se manifestent sur mes lives. Et on sait, on connaît leur nom, il suffit juste à regarder les rediffs. Donc voilà les potes, vous inquiétez pas pour ça. Mais bon, moi je suis vraiment en mode farm là, j'étais vraiment en mode farm. Donc vas-y, on continue le farm, on verra ce que ça va donner les gars. J'aimerais bien les finir tous, de toute façon les gars, demain bonne nouvelle. Demain je travaille pas les potes. Par contre je vais quand même sortir ce soir. Je vais quand même sortir plus tard. J'ai pas envie de trop tarder. J'ai pas envie de sortir à 22h non plus. Mais demain je travaille pas. Donc je peux live à mon aise. Donc moi si j'arrive à liquider toutes mes farms. Parce que oui je dois les faire tous les gars. Si j'arrive à liquider toutes mes farms. Peut-être qu'on va se lancer sur un bon petit défoulement free mode après. Ok il me redonne 3 véhicules ces bâtards. Non les post-op. Non, 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 je suis pas d'accord. On s'en fout, les gars. On veut se débarrasser de la vente. On veut se débarrasser de la vente, les potes. Je suis désolé. On va la relancer. Quand t'appelles Imani, active la compétence loin des yeux. Normalement, les autres joueurs ne te voient pas. Mais Alexandre, tu veux dire pendant la vente? Pendant la vente, j'active Imani Tech. Je vois pas l'intérêt parce qu'Imani Tech, c'est sur un périmètre qui bouge pas. C'est sur un périmètre immobile. Une fois que tu sortes ce périmètre, t'es visible. Il y a même un mec là tantôt, il m'a dit MK, fais Orga Fantôme pour tes ventes.
Mais frère, on est en club de motards. Comment tu veux que je fasse Orga Fantôme pour mes ventes? Pas possible ça. Wesh. Ouais, ouais, GTA. Une catastrophe. On a commencé avec 300K, on est à déjà 250K. À force de quitter à chaque fois la session. 4 motos, ah, je l'ai fait, je m'en fous, je l'ai fait. Je fais les 4 motos, les gars, je fais les 4 motos, je suis preneur. Let's go. 8 km, les bâtards. Mais on est 4 deux joueurs dans la session, hein. Et c'est un Belge, Grégory Belgium. Bon, les gars, vous savez quoi, je vais la faire comme ça, je vais me débarrasser de cette vente. Il me restera juste mes amphétamines et la boîte de nuit. Vas-y, on l'a fait, les gars, comme ça on se démerde. On s'en débarrasse. Imagine le seul mec présent dans la session, il ose venir m'attaquer. Alors là, je comprends plus rien. Si ça devrait arriver. I don't know. And I don't wanna know. C'est quand même loin, hein, 8 km pour une moto. J'espère que les 3 autres seront un peu plus rapprochés. Yo MK, ça fait plaisir de voir ta face cam. Eh hey, merci Eddie le boss. Viens sur Twitch, je fais des lives tout le temps sur Twitch en face cam. Hein. Là c'était juste comment vous dire, exceptionnel parce que oh, putain, on était en plein live pendant la victoire du Maroc et j'ai pas su me retenir. Hein. Je devais célébrer ça parce que je suis à la maison, je suis pas dehors, je suis pas avec Dréré, donc je suis, tu vois, il y a mon fils, il dort. Ma femme Skina, elle est là, comment te dire, elle subit, parce que j'ai live dans le salon. Et donc voilà, je suis un peu tranquille chez moi ce soir, et je devais célébrer les potes, donc j'ai célébré vite fait avec vous les potos en live sur Facecam. Et ça en valait la peine quoi. Merci d'être là, Eddie le boss. Merci d'avoir liké les gars, pour ceux qui ont liké, et écrit, laisse faire mes affaires, et je te laisse tranquille, normalement, peut-être faire play. Tu penses, Eddie Futural, tu penses qu'il fonctionne comme ça les joueurs? Ah, tu pars du mec dans la session, Grégory Belgium. Ouais, écoute, je pense pas, je pense qu'il est occupé à faire ses trucs, je pense pas qu'il va être hostile ou quoi que ce soit. Et ouais, on a gagné, Eddie. Eh, hey, Eddie, toi t'es Choroto, toi, je savais pas, je pensais que t'étais Eddie. Comme. Eddie, t'étais un caucasien. Après, je pense que les Marocains aussi, c'est des Caucasiens, non? Même si c'est des Africains. Bref, tu vois où je veux en venir. Je pensais que tu étais un Européen de souche. Il y a moyen où tu lui écris. Bon, pour le moment, je vais rien écrire. Je vais juste le laisser faire ce qu'il fait. Et moi, je vais faire ce que je fais. Et on verra bien. T'es bruxellois, toi? Ouais, de Bruxelles, moi, en tout cas, ouais. On a gagné Brian 2-0. T'as vu ça, mon ref? On a géré, les gars. Putain, les gars. Je pense qu'il y a, dans toute l'histoire de la Coupe du Monde... Il n'y a que 4 fois une équipe africaine est passée en quart. Hein. On est en train d'écrire de l'histoire, les potes. Hein, le Maroc, ils sont en train d'écrire de l'histoire. Hein. Je comptais pas aller au Maroc cette année en vacances, mais je crois que je vais changer mes plans. Hein, avec l'accord de ma femme. Même si j'avais envie d'aller ailleurs. Je sais pas, je suis pas sûr, les gars, mais bon, on verra. MK, mets-toi en ligne, j'arrive. RAV4, ok, poto, bah vas-y, RAV4, je vais juste finir la livraison de cette moto. Et puis je... Oui. Oh putain, les crashs impossibles. Le crash que j'ai fait, il était impossible. Et je vais mourir. Oh non, ça commence bien. Bah, coucou. Mais non, peut-être, parce que voilà, je suis trop en mood, ambiance Maroc, là. Mais pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas?
pendant nos vacances, au lieu d'aller ailleurs, à un autre endroit, on peut aller au Maroc. Ouais. Ah non. Non, moi je kiffe trop le Maroc, les gars, c'est la base, le Maroc. Mais bon, j'ai déjà été énormément de fois. Voilà, j'ai bien dépensé mon bif sur une nouvelle découverte, hein, un endroit où j'ai jamais été. Hein. Moi, je me permets une fois de partir en grandes vacances par an. Voilà, j'aime bien, tu vois, je vais dépenser une somme. Mais bon, je trouve qu'avec l'exploit de cette année au Mondial, je crois que ça mérite d'aller respirer l'air marocain, je crois, cette année. Les billets vont être chers parce que tout le monde voudra y aller, c'est possible. Et au pire des cas, on peut partager nos vacances en deux. Hein. Au lieu de faire un budget pour une destination, on peut faire moitié-moitié, faire deux petites destinations, Maroc plus ailleurs. Bon, par contre, il est là où ma point de livraison, mon point de livraison, il est où par contre? Tu vois, là, je suis perdu. Là, je suis perdu. Putain, mais il est où? Il est pas là. Faut qu'on sorte ce merdier, les gars. Elle va pas passer la moto, hein. Je suis en train de tout niquer. Attends, on va repasser sous le pont. Ah, c'est bête, hein, pour une petite vente à 4 motos de 3... De 300k. 300k, ouais. Ouais, je veux bien manger une pizza, ouais. Après, je vais sortir, tu veux. Mais bon, je vais pas tout de suite. Sinon, j'allais ramener quelque chose. Mais bon, est-ce que tu peux attendre? Ou est-ce que tu préfères manger vite fait maintenant? Vas-y, je vais. Ah, mais après, j'espère qu'ils seront encore ouverts et qu'ils sont encore de la nourriture aussi. Parce que des fois, à 20h, ils ont plus rien. Ils ont... pizza? Je sais pas. Non, non, mais sinon, fais. C'est juste pour couper la faim en vérité. Fais. Fais une après, si j'ai encore faim, je prendrai quelque chose de dehors. Ok, les gars, désolé. MK, mets-toi en ligne. Ah oui, en ligne. Je suis en ligne, poteau. J'ai mis en ligne. Maroc, ils ont mis du sur pour gagner. C'était pas pendant la mondiale en Afrique, l'Algérie. Tue-moi, j'ai une prime. Vas-y, viens vers moi alors, RAF4. C'est Daroum, hein, évidemment, c'est Daroum. Hein. Non, je me rappelle pendant le mondial en Afrique, Afrique 2010, je crois que c'était 2010. Hein, l'Algérie qui s'était qualifiée, ils ont joué. Il y avait à chaque fois un pigeon qui venait se mettre sur le goal des adversaires des Algériens. Voilà les potes, c'est pas un mythe, hein. Tapez sorcellerie mondiale Afrique Algérie. Et il y en a beaucoup, ils ont dit qu'ils ont fait magie noire là, les Algériens, ils sont quand même fait éliminer. Vas-y RAF4, je vais te fumax vite fait pour prendre la prime, pour te l'enlever en tout cas. Et je vais finir ma vente, hein, mes ventes. Hein. Comment Pizza Hut c'est mardi malin? Ouais, mais le problème c'est que j'ai pas envie de commander. Je vais sortir et j'aimerais prendre avec moi du sur place. Mais j'ai déjà eu le coup, des fois tu commandes à 22h et ils ont plus que tu veux. Ils ont tout liquidé déjà. Tu vois, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Voilà, une fois j'ai même été chez Domino's. Je leur dis une pizza. Comment ça s'appelle pas Chicken Twist. Chicken Twist c'est chez Pizza Hut. Avec le kebab là. Les morceaux de poulet. Chez Domino's. Et le mec il m'a mis une boulette de viande. Je lui dis frère, moi je mange pas la kifta chez vous. Je mange que la kebab. Il me dit vas-y je vais t'en refaire une. Je lui dis ouais mais frère, si tu m'as mis les boulettes c'est parce qu'il y avait plus de kebab. Alors quelle autre une tu vas me faire? Je lui dis non c'est bon, je lui dis donne-moi mon argent. Et il était même pas 22, il était 21h. Il me dit il avait plus, ils ont tout liquidé. Tu vois ça c'est le problème des fois avec les restos, les trucs dehors. Des fois ils liquident leur stock. Et voilà quoi. Je rejouerai à GTA soit ce week-end ou la semaine prochaine. Ouais, bonne idée Alexandre, let's go. DLC, il faut farmer un peu. Ah les gars, je suis assis, j'ai pas de chaise gamer là, donc je suis assis un peu comme ça, je commence à avoir mal au dos. Problème, si je me mets à l'arrière, on me voit plus dans la caméra. Peut-être que je vais agrandir la caméra, je vais me mettre à mon aise en arrière. J'espère que le micro, il s'entendra encore. Ouais, vas-y, en vérité, je vais gérer ça en vitesse. Bon, il reste que 20 minutes. Pour la vente, alors attends, si je fais comme ça, regarde. On fait comme ça. Et après, on fait comme ça.
Alors ça donne quoi si je me mets comme ça? Oh non, c'est trop à droite. Attends. On va faire comme ça. Ah, c'est pas facile de faire des lives, hein, les gars. Faut beaucoup de chipotage. Oh non, c'est pas celle-là. Allez, putain. Voilà, tac. Et comme ça. Ah, comme ça on est mieux, les gars. Let's go, comme ça on est mieux. Il y a un peu, juste un peu de plafond quand, que je dois couper. On attaque. Non, pas comme ça. Allez, putain. Voilà, comme ça. Et... tac. Et si on met ça ici. Alors, ça donne quoi? C'est bon, c'est parfait. Let's go. Ah ouais, je vais rouvrir mon écran chat. Ah ouais, mais là, je suis trop loin du chat, MD. Bref, voilà. Content pour Maroc. Je plaisante. Ça fait plaisir. Merci, 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 Darum. Ouais, je sais que tu rigoles, mon pote. Salut, tu peux m'ajouter, je joue sur PS5 aussi. Orma, je t'ai jamais ajouté, je crois que je t'ai déjà ajouté une fois, non? Je t'avais ajouté une fois, poteau. Je crois que je t'avais déjà ajouté une fois. Si c'est pas le cas, renvoie-moi ton PC sur Insta, poteau, je vais aller vérifier. Nickel, et le son du micro, les gars, parce que je suis assez loin du micro. Est-ce que vous m'entendez encore bien ou pas? Putain, je suis hyper loin des hélicos. Eh les gars, je suis pas concentré du tout. Hein. Yo, salut GTA 6, Mugame TV, Multigaming. Yo, 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 vive le Maroc. Gros big up à toi. Merci pour le soutien, frérot. Non, tu m'as pas ajouté sur P. Tu m'as ajouté sur PS4. Ah, ok. Envoie-moi ton PC sur. Envoie-moi ton PC. Mais écris-le sur le chat. Je vais t'ajouter direct ici, comme ça. C'est Orma 29. Attends, poteau, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ah non, c'est... Les gars, vous m'entendez encore bien sur le micro parce que je suis un peu à l'arrière, comme ça, posé. Ah ouais, c'est bon, c'est parfait. Orma... Orma quoi? Orma 29. Ah mais j'étais déjà un ami. Ah non. Bizarre. Ça m'avait écrit ami. Ok, let's go. Ok, let's go. Bon moi les potes, je dois finir ma vente là. Je dois finir ma vente. Hein. Oui, Chrisso. Ok, let's go, Chrisso. C'est parti. Et les gars, pourquoi tout le monde il oublie de liker, wesh? Pourquoi y'a tout le monde qui oublie de liker? Pourquoi y'a que 25 likes? On peut te rejoindre dans la session? Ouais, 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 la session elle est ouverte, les potes, vous pouvez la rejoindre. La session elle est ouverte. Putain, j'arrive pas à ajuster la caméra comme je veux. Ok, let's go. Il me reste combien? 16 minutes. Je suis dans la merde. J'y suis dans la merde. Il me reste 7 km. Ravka, tu peux monter sur la moto ou pas? Attends, attends. Ravka, tu m'entends? Ravka, Ravka, tu m'entends? Tu m'entends, Ravka? Je pars dans la session. Attends, je vais l'appeler. Ah, je vais rater la vente. Je le sens, je le sens. On l'appelle à l'ancienne hein, avec le téléphone de GTA. Salut Eski, ça va poteau, et toi comment vas-tu frérot? Mon live il bug. Ouais bref bref, je vais faire ma vente, je vais faire ma vente. Essaye de monter sur la moto. Et si tu arrives, prends une moto et livre-la, délivre-la en ville. En ville, comme ça elle est plus proche pour moi. Parce que je vois qu'il y a que des 7 km, des 8 km. C'est la merde. Ouais, je pense que je vais faire peut-être 3 motos, les gars. J'aurai pas le temps de faire les 4, je crois. On est à moitié du temps, on est à la moitié du temps. Et j'ai fait que une, hein, mais après on discute beaucoup et tout. Hein. Wow, 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 je l'ai pas vu venir celle-là. Yo, Ravka, tu m'entends?
Ravka, tu m'entends? Allô? Allô, allô? On dirait que son micro il bug. Allô, Ravka, tu m'entends? Moi je l'entends pas en tout cas, allô? Dommage. Après on fait vocal, Ravka, après on fait vocal. Après la vente, on fait vocal. Et toi, ça va, Eski? Quoi de neuf, poteau? T'es content pour le Maroc? Je suppose que ouais. C'est qui tout le monde qui a rejoint la session là? Zidzak, Ravkat, Gregory Belgium, Orma. Orma aussi, il est là, let's go. Ah, c'est dommage, vous n'êtes pas venu plus tôt. Je vous aurais invité dans la vente. Pas grave, je vais l'assumer tout seul. Allez, les gars, 36 spectateurs et 26 likes. Il y a 10 personnes, ils n'ont pas envie de liker. Vous n'avez pas envie de liker. Dites-le sur le chat. Dites tous ceux qui n'ont pas envie de liker, qui n'ont pas liké. Dites, MK, c'est moi, j'ai pas envie de liker. Il y en a un, il a compris, il a liké. Let's go, 27. J'ai la manette spéciale, c'est pour ça. Je peux pas t'aider, je crois. Ok, pas grave, poteau, pas grave. Actualise le live. Ah ouais, RAV4 il a toujours un délai sur le live. C'est vrai, ça arrive des fois. Ouais, comme t'as dit, il faut l'éteindre et le relancer le live. Comme ça, il va être au bon moment. Hein. Parce que sinon, il y a un peu de retard qui se crée. Un peu de délai qui se crée, quoi. C'est le jeu qui me bloque. Moi, je voulais t'aider à la base. Le problème, c'est qu'il se peut que si. Il se peut que si tu. Tu ne fais pas partie du club de motards, tu peux pas monter et piloter la moto. Je pense que c'est ça en fait. Il faut faire partie du club de motards et participer à la vente. Sinon ça va être comme des véhicules décoration quoi, que tu pourras pas utiliser. C'est pas grave les gars, je vais faire une max de livraison et puis c'est bon. Hein. Après on verra, peut-être qu'on va faire une petite vente ensemble si vous voulez bien. Ça va Axel Bastin, bienvenue sur le live. Bastin, ouais Bastin, let's go. Bienvenue sur le live poteau, j'espère que tu vas bien. Alex Bastin. Je regarde le PC et il se passe quoi? Je fais un gros crash Bandicoot. C'est dur, les gars. Hey, pour tous ceux qui se demandent, hey, les gars, c'est dur de faire un live. Parce qu'on peut pas concentrer nos regards que sur l'écran. Des fois, on doit regarder le chat et tout. Dire s'il y a quelqu'un. Parce qu'il y en a, ils commencent à se plaindre, à pleurer en disant. Il lit jamais le chat, MGO, il lit jamais le chat, il se prend pour une star. Alors nique pas. Non, c'est. Voilà quoi, on doit regarder des fois l'écran et tout, et après voilà, on peut pas se concentrer à fond dans le jeu. Après, je suis sûr, il y a un con, il va me dire alors fais pas de live. Je te jure que j'ai déjà croisé des abonnés. Qui sont capables de formuler une réplique pareille. Disent, alors pourquoi tu fais des lives? Si tu trouves que c'est fatigant, ou si c'est chiant, ou si c'est pas... Tu vois, Darum, voilà, Darum, c'est... Mais Darum, quand il le dit, c'est mignon, c'est sympa. Il y a vraiment des vrais haineux. À Darum, c'est... Comment vous dire? Quand il dit ça, c'est... C'est des piques gentils, mais c'est un mot, c'est... du sarcasme positif, on va dire. Sarcasme, vraiment, c'est négatif. Mais c'est comme du sarcasme positif. C'est ironique. C'est ironique, voilà, ironique. Mais il y en a qui disent ça, vraiment, ils le pensent, quoi. Ils le pensent. Ah ouais, il y a des jets sur moi, là. De l'ironie, GG, Chrisso. Ça se voit que t'es à l'université, toi, Chrisso. Il est à l'université. Chrisso, ouais, il est à l'université, Chrisso.
C'est un futur médecin. Ah oui, Christian, médecin, médecine. Ou peut-être qu'il a choisi cette... Attends. Keio, tu veux dire, je fais un braquage Keio Brico. Les gars, j'ai déjà entendu des Keio Perigo. J'ai déjà entendu des Caillou Perigro. Mais là, un Keio Brico. Ah frère, t'as tout tué toi. T'as tout tué. Un Caillou. Non, mais pas Keio. Il a dit un Caillou Brico. Ah oui, non, Axel, toi t'es un tueur. Axel, toi t'as le trophée, mon pote. T'as le trophée du meilleur déviation de Keio Perico. Bref. CR7 remplaçant, je suis deg. Attends, CR7 remplaçant, bah il va rentrer plus tard alors. Il va rentrer plus tard pour tout niquer. Mais les gars, le Portugal il va gagner contre la Suisse. Je dis pas que la Suisse c'est de la merde hein. Je dis pas que c'est de la merde. Mais les gars, c'est le Portugal. C'est un pays de foot. Suisse ils jouent plus ils font plus de ski que de foot. Tu vois ce que je veux dire, Portugal c'est un pays de foot les gars. Je suis désolé. Portugal, il passe, les gars. Ce sera Maroc-Portugal en quart. Hein. Yo, Mister Seven, j'ai 252 millions. Il me reste 9 minutes. Hein. Ouais. Non, non, sur YouTube. Mais je comptais pas faire la cam, mais je l'ai fait par, pour célébrer. Là. Le bled. Je connais un temps, je connais un. Oulad, les émigrés. J'ai tout hâte. Comment tu sens ça? Ah là là, trop fier de mon pays! Trop fier, les gars, let's go! J'ai même pas envie de sortir, mais je suis obligé, les gars, purée. C'est quoi cette grosse alcoolos? C'est à qui? Oh non, non, non. 5 km. Peut-être qu'on réussira les 4 ventes, les gars. Faut qu'on accélère. C'est bien informatique. Ah, il fait informatique. Le futur Bill Gates. Ah, Chrisso. Je viendrai chercher mon matériel streaming chez toi, poteau. Tu vas me conseiller. Ah oui, non, franchement, informatique, ça... Mais même depuis des années, l'informatique, c'est une branche... qui... du turfu, hein. Ce sera toujours une branche du turfu. Même dans le passé, c'était une branche du turfu. Voilà, les potes, moi, mon père, quand j'avais 10 ans, il me disait, fais de l'informatique. Et moi, comme je suis con, j'ai pas écouté. Hein. Et maintenant, ouais, maintenant, c'est le tour de mon petit frère de subir ça. C'est quand la date du DLC, Noah Killer? La date du DLC, poteau, c'est mardi prochain, on sera le 13. Le 13. On sera mardi 13, poteau. J'ai mal cadré la cam. Je vais la recadrer après la vente. MK, ça prend combien de temps pour arriver? Attends, parce que là, ça a défilé. À 25 millions. Deux jours. Si tu farmes à fond, tu charbonnes bien. Oh putain. En deux jours, tu peux les avoir, poteau, les 25 millions. Et surtout cette semaine, hein, parce qu'il y a les clubs de motards et la boîte de nuit doublée. Après, tu rajoutes quelques cailloux. En un jour, tu te fais 10 millions. Tu fais du AFK toute la nuit. Tu remplis tes business. Tu fais AFK toute la nuit. Deuxième jour, tu te fais encore de nouveau 10 à 12 millions. Et t'es refait, mon pote. Maintenant, rien qu'avec les clubs de motards et la boîte de nuit, je suis presque à 8 millions que je vais farmer. Avec les clubs de motards et boîte de nuit. Sans cailloux Perico, poteau, hein. Sans Keio Perico. Attends, là j'ai fait une connerie, je crois. C'est par là. Oh putain, non. Le DLC il sort à quelle heure? Eh ben, d'après les expériences dans le passé, il sort toujours vers 11h. 11h, entre 11h et midi, poteau. Entre 11h et midi, le DLC. Le mardi 13, entre 11h et midi. Inch'Allah, on sera là en live, les potes, pour le diffuser et le découvrir ensemble. Comme chaque DLC, hein. Le dernier DLC, entreprise criminelle, franchement, on a fait fureur, les gars. Un seul live, presque 20 000 vues. Pff, c'était du lourd. J'espère qu'on va péter plus cette fois-ci. Hein.
Je suis à 16 millions. C'est pas mal ça, mettre 16 millions. C'est du lourd. Ah, les gars, ceux qui sont avec moi là, il n'y en a pas un, il peut appeler un avion ou quelque chose. Ou bien, non, en vérité, je vais prendre mon Sparrow. Ok, let's go, encore une moto, les gars. Je pense que je vais réussir. Ah, non, je prends le Sparrow, il est plus rapide. Le Sparrow est plus rapide que les MK2. Encore une moto. Ah, putain, mais ferme ta gueule. Mais va faire le Sparrow, toi. Le Sparrow, les gars, il est plus rapide que j'allais dire. Il y a moyen de réussir, les gars. Il me reste une moto. Il y a moyen de réussir, les potes. Peut-être avec un peu de chance, on pourra réussir. Si la destination n'est pas trop loin. Minutes 16. Vas-y, je fais le hip-hopper avec ma casquette. Ça donne quoi? Non, je préfère comme ça. Kilomètres, 3 minutes 40. On va y arriver, les gars. On va y arriver. C'est devant 250K par contre. Hein. Team MK Performance 24, il est partout, les gars. Il est omniprésent. Hein. Même sur le SMS du jeu, dans le jeu. Let's go, Rav 4. Big up à toi, mon ref. C'est parti. Dernière moto. Il faut pas que je m'écrase, comme ça, je perds pas de temps. Yes. Allez, avance avec ta tenue rouge, avance. Combien de kilomètres? Combien? 8 kilomètres. C'est mort, les gars. C'est mort. 8 kilomètres. C'est mort, les potes. Les gars, c'est mort. Bon, qu'est-ce qu'on allait faire? Les gars, c'est mort, on est d'accord, c'est mort, les gars. 2 minutes pour 8 kilomètres. Est-ce que je prends la peine de lancer, d'engager la route? Je pense que c'est mort, hein. Ouais, c'est mort. On tente quand même, les gars. On tente, les gars. 1 minute, 2 minutes. Non, 1 minute 50. S'il y a moyen de couper par quelque part, ça aurait été flex, mais... Attends, peut-être par ici, on coupe par ici. Ouais, mais après, ça ralentit, hein. Le sable, il ralentit la bécane, hein. Oh, c'est mort, les gars, c'est mort. C'est mort, les potes, c'est mort. Vas-y, je vais l'exploser, comme ça on arrête la vente. Mais non, Rav 4, tu vas te faire éclater, frère. Attends, les gars, je fais un vocal. C'est mort, les gars, c'est mort. Jamais on va arriver, jamais. C'est pas un contre-la-montre, c'est mort. Bien vu, poteau. Ah ouais, les gars, je vais recadrer la cam, parce que je suis pas satisfait. Attends. C'est bordel ici. Attends. En vérité, il suffit juste de l'approcher un peu et puis c'est bon. Hein. Ouais, non, c'est bon, la vente elle est finie, les gars. Pom. Ça donne quoi comme ça? Non, toujours pas bon, les gars. C'est dur de cadrer une caméra.
comme ça. Hello. Bon, on est déjà un peu mieux comme ça, let's go. Coucou. Ok, voyons combien on a gagné, 200k, 226k les potes. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire les potes? Il me reste un truc de club de motard à vendre. Il me reste un truc du club de motard à vendre, c'est-à-dire méthamphétamine. Je vais la faire avec les deux poteaux, on va les inviter en vocal. Je vais la faire avec eux et après c'est fini les ventes les gars. On aura fait toutes nos ventes, je pense, sauf la boîte de nuit et le bunker. On va les faire après les gars. Tac, démarrer partie. Oh non, pas public, non. Privé avec... Avec qui? Avec... RAV4. Et avec qui? Avec moi? C'est qui le ref qui t'a... Orman. Let's go. Norman. Ah ouais, t'as vu Norman, il s'est fait piéger et tout. C'était Norman. Tu me l'as dit hier. Norman, il est rentré à l'Habs, les gars, pour viol. Apparemment. Salut, salut la team. Le Maroc a gagné. Le Maroc a gagné. MK, on a gagné MMA. On a gagné Mama. Ah, Rifton, ah, tu connais, poteau. On est ensemble, frérot. On est ensemble. Let's go. Je sais pas si vous voyez bien. On est ensemble, franchement. Désolé de poser cette question. C'est quand le DLC? Il faut pas être désolé, Ricano Alassa. Mais le DLC, c'est le mardi. Mardi le 13. Mardi 13, ouais. Mardi prochain. Coucou. Attendez les gars. Attends, parce que mon téléphone il charge pas. Hein. Oh, c'est qui m'a fait ça, Orma? Je vais t'éclater, mon ref. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Celui-là. Juste il faut chipoter un peu. C'est bon, il est fait. Celui-là, par contre, tu peux le faire. Ouais. Attends, c'était quoi ça? C'était qui ça? Bon les gars, il me reste deux ventes à faire, je suis obligé de les faire. Hein. Cadeau surprise, let's go. Eh, vous avez pas rejoint le vocal, Orma et RAV4? Est-ce que vous avez rejoint le vocal ou pas? Ok, ils ont rejoint. Les potos, on est à combien dans la session? Ok, on a une bonne session, il y a pas mal de joueurs. Les potes, on va faire une vente. Mais vous devez être en vocal avec moi. Et on va y aller en voiture à la méthamphétamine. On va la vendre. Attends, je vais vous inviter. Président. Ouais, ouais, poto. Et toi, tu m'entends bien? Salut. Mais par contre, le vocal, il passe par la manette. Donc, on t'entend pas sur le live. Je dois brancher mon casque. Ouais, viens, on fait ça comme ça. Ok, Orma, il joue ou pas? Pourquoi il a pas rejoint le vocal? Parce qu'il m'énerve, comme ça on fait une vente. Bon, je vais t'inviter dans mon club de PDG. Il me reste une vente à faire, méthamphétamine. Après le bunker aussi, mais bon. Viens, je t'invite. PDG, t'as reçu? Ok. MK, on a gagné. Ouais, normal, on garde à vue pour accusation de viol. Ouais, ouais, Christo, j'ai vu ça. Yo, salut, Ed Prod. Wesh, wesh, re-bienvenue. Bah, j'espère que le nouveau DLC sera mieux que celui de l'été. D'habitude les DLC hiver ils sont mieux hein. Ils sont grands, ils sont bien chargés. Tu te rappelles, bon, la dernière fois on a eu Franklin, l'agence. Bon, lui franchement il m'énerve, il sert à rien, wesh, Orma. Bon. venez on va faire une voiture. Vas-y, je vais appeler une voiture, on va se régaler un peu, attends. Il est vexé parce que vous avez parlé de Norman après avoir dit son nom. Orma, Norman. Bah, c'est comme ça que t'as. Ok. Salut Souheil, ça va ou quoi mon ref? Maroc ou quoi ou Algérie? Bonsoir, plus un abo et petit like posé. Merci, gros big up à DLA Clean Car. Toi tu travailles dans un concessionnaire pour toi. T'as ton truc, ton blas c'est Clean Car. Tu fais concessionnaire toi. T'as quoi comme modèle dernièrement qui sont rentrés? Hein? Tu travailles dans un car wash
Au carrouage, peut-être, je sais pas. Il travaille dans les voitures. Ok. Attends, je vais appeler une belle voiture hein, pour faire le petit trajet au calme. Ah putain, j'espère que tu peux l'appeler parce qu'il y a un MK2 qui est pas loin là. Mais normalement, je peux l'appeler, elle est très loin. Alors, Orma, est-ce que tu viens ou pas? Ah, ok, bah je vais l'inviter. Je vais juste peut-être rappeler le mécano d'abord pour la voiture. Elle est là, elle est là, elle est là. Invite-moi. Ok, mais pourquoi il vient pas dans le vocal? Je peux pas. Vous ne pouvez pas ajouter des membres. Ah, j'ai un raid. J'ai un raid, merde, merde, merde. T'as un MK2, RAV4? Parce que j'ai déjà appelé ma voiture, merde, y'a un raid. T'as un MK2? Ouais, ouais, vas-y, ok, ok. Parce que, regarde, regarde, tu vois, y'a ma voiture là-bas. Ici, ici. Ah, je peux pas prendre ton MK2. Oh, le bordel, j'ai un raid. Sinon, prends ma voiture et va vers ma méthamphétamine si tu vois c'est où. Regarde, ma voiture, elle est là, elle est là. Elle est là, ici, viens. Elle est là. Prends-la, parce que je viens de l'appeler et si je la renvoie, je vais devoir attendre 2 minutes. Tu vois, je voulais flex un peu avec vous, décapotable, 4 places. Tu vois, la voiture du casino. Mais bon, donc va vers ma méthamphétamine déjà, roule à ton aise. Moi, je vais aller faire la raid. Je vais servir et tout. Attends, j'ai... T'as accès, ouais, t'as accès. Ok, bon, moi, je vais aller faire mon raid, vite fait. Ah, mais je crois que c'est la boîte de nuit, ça. C'est une raid de la boîte de nuit. Yo, frérot, DLN, Coca, Rio, Chris. Bonsoir, CIA, ça va ou quoi, poteau? Bienvenue, la team, bienvenue, les gars. Ça fait plaisir de vous voir sur le live. Par contre, là, je suis débordé d'activités et de choses à faire. Ça va, ça chauffe bien. C'est déjà prêt. Wow, ça a été vite. Merci DLN Chris pour le like, pour le soutien. Big up à toi, t'es au top mon ref. Mais c'est qui la team DLN? Je connaissais pas. C'est quoi la team DLN? Team Dylan, c'est quoi DLN? Voilà, je connaissais pas les gars. Informez-moi, expliquez-moi. DLN. Tu penses quoi? Comment? Non, ça t'enlève pas. Ok. Après, je vais arranger le micro parce que je t'entends pas très assez fort. Je dois mettre mon casque. Ah, frérot, DLN Clean Car. Mais c'est quoi? C'est... Vous faites quoi au juste, DLN Clean Car? Vous faites quoi au juste? C'est le développeur de la DLN. Vous êtes des développeurs? Ah, ok. Je vais taper ça après sur Google. Je vais m'approfondir dans vos projets. Ok, bon, j'ai une arrête de merde. J'espère que je vais le sauver, les gars, parce que j'ai 2 millions hein, dans la boîte de nuit. Hein. Putain, imagine, je ne réussis pas. Et je vais péter un câble. Ah, merci. Ça va. Merci, bismillah. Ah, ah. Oh, ha, 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 ha. Ah, je me suis cramé la bouche. Ok, y a un voleur ici. Il faut le fumer max. Il avait rien. Ah si, il a un truc, je dois le prendre. Il a un truc vert, je dois le prendre. Ok, je dois livrer boîte de nuit. Merci Alexandre, big up à toi. C'est juste un petit tonka les gars, parce que je crève la dalle. Hein. Un peu plus tard, je vais manger bien. Mais bon, je peux me permettre de manger un peu plus tard aujourd'hui, parce que demain je travaille pas. Donc je peux, voilà quoi. On va livrer ça les gars. Après il y a encore 3 affaires à récupérer. Hein. Tout ça pour sauver 2 millions les gars. 2 millions. Ok, c'est qui le plus proche? Il y en a un là-bas. Ah ouais, RAV4. La technique du dauphin, tu la maîtrises ou toujours pas? Comment? Mais... Ouais, je sais pas. Faudra qu'on fasse le test. Ouais, ouais. Mais donc en fait, tu lâches le R2.
Tu zigzags. Et après ça, bah, tu... comment te dire, tu boostes hein, tous les 4 secondes, 4-5 secondes, je crois. Attends, je vais d'abord aller tuer l'autre cible, hein, comme ça je fais pas un aller-retour pour rien. Allez, je gagne du temps. Il avait rien, tant mieux, il avait rien. C'est le dernier qui aura un truc. Je vais aller livrer. Donc les gars, j'ai fait coke, cannabis. J'ai fait cannabis, coke, fausse monnaie, faux papier. Je vais encore faire méthamphétamine. Après ça, je dois faire bunker et boîte de nuit. Et on va voir avec combien d'argent on a fini, en sachant que j'ai commencé le live avec 250 millions pile. Dans le nouveau DLC, il y aura des véhicules armés. On n'en sait rien pour le moment, mon ref, mais c'est probable. C'est très probable. C'est très probable. Parce que on n'a pas eu de véhicule armé. À part la Ignus armée, on n'a eu aucun autre véhicule dans le DLC précédent. Attends, la Ignus armée, on l'a eu avec GTA Next Gen. On l'a pas eu pendant le DLC quand même. Ou est-ce que je me trompe? Je me rappelle plus, les gars. C'est un PS5 DLC. Next Gen. Ouais, bien vu. Donc, ouais, j'espère qu'on aura des véhicules armés en principe, ouais. Dima Matré, Maghreb, Mitrax. On est ensemble, poteau. Car je vais te faire de la pub dans mon serveur Discord. Ah, merci, Délène Discard. Délène Klinkar. Merci beaucoup, mon ref. Ça me ferait super plaisir, poteau. Les gars, ils abusent Rockstar, regarde. Défense de marchandise. Ils abusent, non, ils abusent. Encore. J'ai même pas eu le temps de manger. C'est la mette en plus. Elle vaut 800k, les gars, on doit la protéger. Hein. Je dois vraiment apprendre pendant mes streams de pas sortir du cadre de la caméra. Après sur Twitch, j'ai pas trop de soucis parce que j'ai une position fixe pour la caméra. Mais bon, là sur YouTube, c'était un peu de l'impro que j'ai lancé la cam. Mais c'est pas très pro pour un live de sortir à chaque fois du 4. Mais voilà les gars, on est des amateurs streamers. Hein. On n'est pas... comment il s'appelle là? Michou? Ou les autres? On fait ça pour le fun les gars. Ah, c'est quoi? Oh putain les keufs! Oh, ils doivent pas me tuer les gars! S'ils me tuent, je suis mort! Ah non, j'ai perdu ma... Ah, j'ai perdu, les gars. Ah, j'ai perdu toute ma marchandise. Oh, putain, je viens de perdre toute ma marchandise. Pourquoi je parle trop? Ils m'ont arrêté, les gars. J'ai perdu toute la marchandise. Mais on s'en fout, les potes. C'est pas... Ah, 800k, quand même, ça fait mal. Hein. C'est pas grave, les gars. Je vais arranger mon casque, j'arrive. C'est le jeu, les potes. C'est le jeu. S'il me tue, je suis mort. Ah non, je l'ai niqué. Regarde, j'ai respawn. Rav4, j'ai vite changé de session, mais je pense pas que ça a servi à quoi que ce soit. Je vais rejoindre tout de suite la vôtre. Je vais d'abord mettre mon casque. Ah, je crois que j'ai niqué la marchandise, le stock. J'ai niqué, les gars. Est-ce que MK t'as Discord? Ouais, j'ai un Discord poteau, mais je dois aller chercher le lien parce qu'il expire tous les 2-3 jours. Donc je dois chercher un nouveau lien. Ouais. Sinon, si quelqu'un, un modo, sait inviter à mon Discord, mettre un lien d'invitation, ne te gêne pas, mon ref, tu peux le faire. Ok, est-ce que tu m'entends, Rav4? Ouais, je t'entends. Mais je vais pas trop tarder, poteau. Là, tu veux qu'on fasse quoi? Écoute, en vérité. Je viens d'éliminer ma dernière vente. Donc en principe, il reste plus à faire grand chose. Sauf que tu veux faire une petite activité, on attend. Je sais pas. Attends, tu sais quoi? Tu sais quoi? Activité, moi je suis pas très fort, je préfère vous regarder. Je kiffe plus quand je vous regarde. Ah, il fait sa vente et il m'a tué. Il a juste eu peur, ce mec. Attends, je vais revenir dans ta session, Rav4. Je vais revenir dans ta session, attends. Ouais, je joue bien. Et toi? Il est fini.
Tu veux plus? Non. Bismillah. Tu vas arrêter à quelle heure, RAF 4? Oh, je sais pas, peut-être d'ici 10 minutes. Ah, ok. 10 minutes? Ok, moi après, je sais pas encore quoi. Mais si c'est des activités, je préfère vous regarder parce que comme ça je vais faire d'autres trucs en même temps, tu vois, à la maison. Ok, bah écoute, je vais revenir dans ta session et je vais t'expliquer si on va encore faire quelque chose ou pas. Vas-y, je rejoins ta session. Ouais, les gars, je suis un peu mrouin dans ma tête, je fais tout en même temps. Luffy D. GG le maillot, la victoire à la tête, vous voyez bien. Yo, ça va ou quoi? Merci Luffy. Big up mon ref. Ouais, Orma, bien ou quoi? Ouais, ça va. Ouais. Pourquoi tu rejoins Ake maintenant? Quoi? Ah, vas-y, moi je suis tout. Ok. Vas-y, j'arrive en session, les gars, j'arrive en session. Après, j'ai une bonne question pour vous, les connaisseurs, les gars. Imagine, vous êtes à deux dans le club de motards. Vous avez un raid. Et si le raid vous dit que si vous vous faites tuer, vous êtes arrêté et que vous perdez le stock. Mais s'il reste une personne dans le club de motards, est-ce que c'est appliqué aussi pour les... Allez, je sais pas. Vous avez compris où je veux en venir ou pas? C'est une question à se poser, quoi. À déchiffrer. Une énigme à déchiffrer. Par contre, ce que je vais faire. Donc, je vais aller au club de motards. Ok. Je vais réinviter RAF 4 et Orma. Ouais, vas-y. RAF 4, Orma, let's go. Je vais aller à mon méthamphétamine et je suppose qu'elle a été niquée, malheureusement. J'ai pas quitté à temps. S'il y a rien, les gars. Dans ton prod, s'il te plaît. Comment? Pour un invité dans ton lieu de prod aussi, s'il te plaît. Ok, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore un stock. Je crois que je l'ai perdu. Hein. Donc on va juste vérifier. Ah, j'ai tout perdu, les gars. Je viens de perdre 800 000 dollars. Bon, alors, c'est vrai quoi, on va faire une vente bunker. Si ça vous intéresse. Ouais, moi je suis chaud. Vas-y. Vas-y, ok. Après, les gars, si vous avez quelque chose à proposer, n'hésitez pas. Hein. Moi je vous suis. Hein. Alors, le bunker. Voilà, pour l'instant, j'ai rien sous la main. Ok, si vous avez des ventes, vous voulez vendre quelque chose. Ok, bah écoute, je vais vers mon bunker. Hein. Si vous savez où il se trouve, vous pouvez déjà y aller. Moi, je vais... Je suis en voiture, vite fait, là. J'ai la flemme d'appeler un autre véhicule plus rapide. Mais je vais essayer de faire vite. Faut pas que l'équipe meure complètement. Ouais, je me disais le pareil en fait. Je pensais qu'il fallait que les deux ils crèvent, mais en fait, si le chef d'équipe il se fait arrêter, parce qu'en fait, c'est même pas un kill, c'est une arrestation en fait. S'il te tue, c'est une arrestation et tu perds tout le stock. Tu dois relancer la production. C'est vraiment super dommage, les gars. Mais bon, y a plus rien qui peut casser ma journée vu que le Maroc a été qualifié pour les quarts. Je m'en fous maintenant en vérité. C'est juste dommage pour l'objectif de farm. Hein. Parce qu'on on était dit qu'on allait faire quand même entre 6 et 8 millions. Ben là, on peut déjà déduire 1 million, les gars, de l'objectif. Donc, on va faire 5 à 6 millions, je crois. Ce qui est quand même pas mal. J'espère que le bunker, il est rempli aussi. Il doit être au minimum à 3 quarts. Il est peut-être pas à 100%, il est peut-être à 3 quarts. On va vérifier. Je vais garder la boîte de nuit pour la fin, les gars. Parce que la boîte de nuit, je peux toujours la faire solo. Le bunker, c'est un peu cheaté. Et vu que RAF 4, peut-être qu'il va quitter après, il faut en profiter tant qu'il est là. Hein, parce que peut-être qu'on aura 3 véhicules de merde. Donc on va accélérer, les poteaux. On va accélérer. On est à 4 km. Ça va aller vite. Hein. Franchement, je savais pas que ce gros bateau, il roulait quand même assez bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, les gars, c'est la Windsor Drop. La voiture a gagné dans le casino cette semaine. Comme ça, vous voyez si elle en vaut la peine ou pas. Hein. Bon, en tout cas, je l'aime bien parce que... des 3 secondes. En fait, celle-là, je l'ai gagnée une autre fois dans le casino. Il y a plusieurs mois, elle était à gagner et je l'avais gagnée. Cette semaine, j'ai pas encore tourné la roue. Mais elle était déjà une fois à gagner dans le casino.
Je sais même pas si j'ai une vidéo dispo quand je l'avais gagnée. Mais bref, j'avais gagné une fois dans le casino, donc je peux pas la revendre. Hein. Même si je regagne celle du casino et que je vends celle-là, elle vaut rien parce que celle-là a été gagnée au casino, c'est double. Mais donc la technique, je sais pas trop c'est quoi la technique, franchement. Mais au moins la voiture, elle en vaut la peine quand même, je trouve. Moi, cette voiture, pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'elle est assez épique. Parce que c'est la seule 4x4 décapotable 4 places, je crois. Pardon, 4x4. C'est la seule 4 places décapotable, si je me trompe pas, non? En plus, c'est une Rolls-Royce. Je crois, ouais. Après, t'as des 4x4 décapotables en low-rider, je pense. Les voitures Bénis, si je me trompe pas. Mais les gars, ça, c'est pas la voiture de Bénis, ça, c'est la voiture des Qatar, ça. C'est une voiture de Dubaï, ça. Regardez, bon. La collection, elle m'aime beaucoup, là, MK. J'espère que je vais pas foirer la vente, hein. T'as quoi? Ah ouais! Ma connexion est là. Bah écoute, au pire des cas, je pense pas que tu vas la foirer, mais on sera juste avec un véhicule en trop. Attends, Orma, t'es là aussi, toi, ouais? Non, j'arrive là. Ok, Orma, au pire des cas, je t'invite dans le bunker hein, quand je suis sur place. Comme ça, tu te TP direct. Ça marche. Normalement, ça va être bon, je pourrais t'aider, mais j'espère juste que j'aurai pas de problème. Ah ok. Ah, khair, Inch'Allah, ça se passera bien. Mais toi, t'es mauricien, Rafkat. C'est ça. Mais vous parlez arabe là-bas, en île Maurice, non? Non, on parle créole, mais c'est un pays, c'est énormément mélangé. T'as beaucoup d'Africains, d'Indiens, ah ouais. De musulmans. Non, c'est ouais, les... ah ouais, ouais. C'est... Mais tu vois, t'as certains pays africains, et pas, je parle pas du, qui sont proches du Maghreb. Mais vraiment qui sont au sud, qui écrivent et qui parlent en arabe. Mais comme t'as dit, ils ont aussi leur deuxième langue, créole et tout. Ouais, par exemple, les Comores et tout. Ils parlent arabe là-bas, ils écrivent en arabe, je crois. Ouais, bah chez nous, c'est un peu comme les Comores aussi, tu vois. C'est vraiment mélangé, c'est multiculturel. Ouais. T'as beaucoup de communautés, t'as beaucoup de... C'est un pays où il n'y a que des mélanges. Ouais. Mais... Tu vois. L'île Maurice, la race, on va dire. La race... principal local, pas les mélanges. Ils sont pas un peu hindous comme ça, ils ont pas des airs hindous comme ça. Un petit peu, ouais, un petit peu hindou, parce que... un petit peu africain. Ouais, ils, ouais moi peu, je me rappelle. Un petit peu créole. Ouais, voilà, parce que c'est... ils sont pas loin de l'Inde et tout ça, non, Sri Lanka, non, non, bon, non ils sont loin. Ils sont loin. En tout cas, ils sont dans loin, l'océan mais... Indien, on est d'accord. Voilà. Ouais. À l'époque, tu vois, c'était... Mais ils sont pas... d'esclavage. Ouais. Du coup... comment t'expliquer? Mais en tout cas... En histoire, mais en fait, ouais. Ils ont ramené beaucoup d'esclaves de tous les pays, tout ce qui est Afrique, Inde... Ouais, donc il y a beaucoup eu d'influence étrangère, en fait. T'avais les locaux, influence étrangère. Et il y a beaucoup d'étrangers d'un peu partout qui sont venus. Exactement, ouais. En fait, maintenant, t'as beaucoup de mélange. Parce que même, des fois, quand tu vas en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il y a beaucoup de basanés là-bas. Et en fait, c'est ouais, pas des locaux, hein. C'est des ancêtres, c'est des descendants d'esclaves. Hein. Et nous, des fois, on les regarde, ouais, par exemple, t'as les Suriname, t'as les Guinée, ou non, pas Guinée, la Guyane. C'est en Afrique, Amérique du Sud. Bref, t'as beaucoup, ils sont basanés, mais c'est pas... Parce que les origines, on va dire, les basanés d'origine d'Amérique centrale et Amérique du Sud, ils sont pas basanés noirs, ils sont basanés rouges un peu comme ça. Ils sont un peu rouges. Ouais, tu vois voilà. Ce que je veux dire? Genre les ouais, c'est des Indiens, ouais. Amérindiens et tout. Ouais, franchement, c'est super intéressant et tout, mais... Et voilà, nous, des fois, par exemple, voilà, quand t'as dit les Caraïbes, Haïti... Tous les noirs qui habitent là-bas, c'est pas des gens de local. Hein. Et nous, on voit que c'est un pays exotique. Des fois, moi, avant, je pensais que c'était des gens de souche, des vrais haïtiens. Mais en fait, c'est des descendants d'esclaves et tout. Ouais, franchement, c'est trop intéressant, les gars. Tout ce qui est histoire, ouais, géographie, ça. Tout ça. Trop intéressant. Bref. Tu regardes loin en arrière dans les années... je ne sais combien, bah tu vois, il n'y a pas de Mauricien en fait, ça n'existe pas. Ouais, c'était des gens... D'esclaves. Ouais, il y avait peut-être une petite population et qui... Les gens qui habitent dans des îles comme ça, qui sont un peu isolés, comme Nouvelle-Zélande à l'époque, tu vois, en Nouvelle-Zélande aussi, il y avait des gens, ils étaient isolés sur leur île, qui n'avaient rien à voir avec le monde extérieur. Comme et après... Les Mimisicu. Ah, je connais pas. Et après, voilà, il y a eu des mélanges qui... C'était une île déserte, et si je dis pas de bêtises... Ah, c'était une île déserte, carrément.
Au début, ouais. Et ah si ouais. Je dis pas de bêtises, ça a été découvert, je crois, par les Hollandais à un moment. Après les ouais. Anglais, après les Français. Ouais, ouais, après, ouais. Ils ont fait la guerre, les Anglais, ils ont regagné. Bah ouais, la colonisation. Hein. Tu vois, c'est. Après, ouais, là, ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je suis pas très doué en histoire, mais grosso modo, c'est ça, tu vois. Ouais, voilà, ils importaient leur main d'œuvre et après, ça se mélangeait avec c'est la population ça. Locale ou même, comme t'as dit, c'était peut-être une île déserte. Et du coup, lui, c'est son ancêtre, c'était quoi ? Et toi, sinon, toi, tes ancêtres, Rafkat, c'est de quelle origine ? Moi, j'ai un peu africaine et indienne mélangée. Ah ouais. Mmh. Ouais. Bah, c'est même comme chez nous au Maroc. Hein. Les plupart, c'est une mélange de berbères et des arabes orientales hein, du Moyen-Orient. Il y en a peu. Des espagnols aussi. Il y a aussi des mélanges espagnols. Mais même en Espagne, en Andalousie, il y a des mélanges marocains dans la population qui sont même plus musulmans ou marocains maintenant, mais ils ont le sang dans leurs veines. Qui circule, qui est marocain en fait. Mais bref, les gars, on va faire la vente. Let's go. Parce que je vois que les spectateurs, ça a chuté d'un coup quand on parle histoire. Oh là là. Ok, c'est de son cas, les potes. Je l'ai lancé, moi je suis là aussi. Ok, let's go. Romain, on va la lancer, les potes. Let's go. Désolé, le chat. Maroc, Portugal. C'est le Portugal qui va gagner. Ils vont aller en demi-finale. Souhey, je voulais insulter un membre de ta famille, mais je vais me retenir parce que je te kiffe. T'es mon abonné. Je te dois du respect. Mais comment ça ils vont gagner, frère? On vient de battre l'Espagne, qu'est-ce que tu racontes hein? Maroc, ils vont aller bien manger l'oubia là, des un bon couscous. Ils vont s'entraîner un peu, bien, pas un peu, mais bien. Et les gars, on a une super vente hein. On a une super vente, les gars. Et ils vont battre le Portugal, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Ils vont... Attends, ils sont où les véhicules? Ah ouais, ils sont là. Les gars, on a la meilleure vente du bunker hein, qui existe hein. Bon, on aurait pu rester proche l'un de l'autre et être invisible sur le radar, mais je pense que c'est trop tard parce que Orma il a déjà tracé. Ouais, je suis déjà parti moi. Ouais, écoute, c'est pas grave parce qu'en fait, t'as une compétence avec cette vente, c'est que si on reste proche l'un de l'autre, on est invisible sur le radar pendant tout le trajet. Mais bon, il y a que 5 km, il faut là qu'on a réussi, les gars. Ça va être rapide, ça. Oh, laser! Attends, c'était quoi ça? Ah, c'était des PNJ. Putain, j'ai entendu comme une balle explose. Je pensais que c'était un laser, il est sorti nulle part. C'est des PNJ, ok. Je vais faire un bon bonus parce que là, on est plusieurs dans la session en plus. Ah ouais, de fou, hein, de fou. On va rattraper un peu l'argent qu'on a cramé bêtement. Bah vas-y, let's go, hein. En plus, ouais, on a... T'as perdu une vente tout à l'heure. Comment? T'as perdu une vente tout à l'heure. Ah oui, hein, la méthamphétamine, j'ai eu un raid, je l'ai pas réussi. Ouais. Donc j'ai perdu tout le stock. Il y avait 800 000 $. J'ai perdu tout le stock. Et le problème c'est que je dois relancer la production si je veux encore en profiter. Mais je vais abandonner les gars, c'est pas grave, tant pis. Après demain il n'y aura plus le bonus et je vais de nouveau lâcher les clubs de motards. Je les fais juste cette semaine parce qu'ils sont doublés. La boîte de nuit par contre ça c'est super intéressant. Comme je vous ai dit, la boîte de nuit c'est facile à faire solo hein. Après si vous êtes là, vous allez rester connecté. Un petit soutien aérien, ça peut toujours être utile. Et c'est toujours le bienvenu. Ah putain, je me suis trompé de sortie, bon pas grave. Il te reste combien RAV4 de kilomètres? Tu m'as dit quoi MK? J'ai pas entendu. Combien de kilomètres il te reste? 1 km. Ah super, moi 1 km 60. Et toi, Orma? Moi je suis arrivé là. T'es déjà. Ah, GG. Ok, let's go. Ça va être. En plus, regarde, la vente elle était à 700 000. On aura le bonus. On n'aura pas le bonus complet parce que je crois qu'il y a 12 ou 13 joueurs, même pas. Oh putain, il y a un mec qui arrive à fond sur moi là, Blanqui. Jure. Wow. Ah, mais ça va. Je pense que t'auras le temps d'arriver. Même à 700 mètres. Ouais. Mais ça va, ton véhicule il est assez blindé, il peut te lancer pas mal ouais, de missiles. Ça va, ouais. Normalement ça va le faire. Et c'est bon, il a tracé. Il a tracé. Il s'est dit impossible, il ne va pas réussir trop loin. Donc, il y aura un bonus. Je pense qu'on va atteindre le million. On va atteindre le million ouais, avec ouais, cette vente. Ouais. Vu qu'il y a le bonus là. Ok, il faut quitter la zone. Ok, venez, je vais appeler ma voiture. On va aller direct vers la boîte de nuit pour ceux qui vont rester co. Comme ça, je finis. Les gars, la boîte de nuit, j'aurais tout fini.
La vente elle est déjà finie là. Ouais ouais, la vente elle est finie, par contre il faut quitter la zone hein, sinon on prend pas l'argent. Tiens viens, on prend leur Kuruma, regarde. Ah mais c'est bon, moi j'ai appelé ma grosse Rolls Royce. Vas-y, y'a une place pour toi. Ah t'as pris une Kuruma. Pourquoi? Ah elle est blindée celle-là. Non hein. Non. Ok. Ok les gars, direction ma boîte de nuit. Salut frérot, c'est le Marocain qui a gagné. Ouais ouais, Jimpix. Merci à tous ceux qui félicitent les gars, à tous les abonnés qui passent sur le live. Ah 980k, pas 1 million. Bah écoute ça. C'est la voiture du casino celle-là. Ouais, ouais, c'est celle du casino. Mais je l'ai gagné sur sur un casino précédent. Il était déjà une fois à gagner dans le casino, je sais plus quand. Ah j'avais gagné. Je l'ai pas encore gagné cette semaine. Yo, bizarre, re. Après, les potes, vous avez pas le choix. Hein. Tous les Africains. Attends, je pense qu'il y a encore un pays africain. Il y a qui d'autre? C'est quoi le deuxième? Il y a encore un pays africain actif dans les cars. Hein. C'est qui? Ou pas? Ou il a déjà été éliminé? Non, ils ont été éliminés. Il y avait un pays africain. Je sais plus c'était. C'est pas le. Non. Allez, les potes, en 8ème. Il y avait un autre pays africain, les gars. Je sais plus contre qui. Moi, j'ai pas trop suivi, mais bon. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que, les gars, vous soyez africain, subsaharien, africain, que vous soyez algérien, tunisien, les gars, il faut soutenir le Maroc parce qu'on représente l'Afrique dans ce mondial. Hein. On représente l'Afrique, les potes. Hein. Donc, faites pas vos jaloux. Soutenez à fond le Maroc, les gars. On va faire ce que Kadhafi a voulu faire. On va réunir toute l'Afrique sous le même drapeau. Attends, juste, excuse-moi, je te coupe. Cette vente, elle va durer longtemps ou pas? Cette vente, non, elle prend 10 à 15 minutes. Mais écoute, en vérité, cette vente, moi, je peux la faire solo. Il y a un seul véhicule. Moi, je vais la faire avec toi, si tu veux. Après, ouais, c'est celui qui veut le faire avec moi, tu vois, il doit juste prendre un MK2 et surveiller un peu la map. Mais sinon, il y a un seul véhicule. Ok, bah vas-y, au pire, je t'escorte et après, je me déconnecte, après la vente. Vas-y, Rafka, big up à toi, force à toi si tu fais ça. Au moins, on est sécurisé et protégé. Prenez juste vos 2 MK2 les gars et moi je vais conduire le camion. La MK2 elle est détruite moi, c'est dingue ça. Hein? Elle est détruite la mienne. Ah elle est détruite. En pire des cas j'appelle la mienne, tu peux la prendre. Hein. Ouais je veux bien s'il te plaît. Ok, Sénégal mais ils ont été éliminés. Non il y a plus, c'était le Sénégal. Ah c'était le Sénégal, j'ai pensé mais j'étais pas sûr à 100% que c'était le Sénégal. Bah voilà les gars, Sénégalais, Cameroun, Tunisien, Algérien, ce que vous voulez les gars, Mauricien, Madagascar, ce que tu veux les gars, Maroc, hein. Soutenez tous le Maroc les potes, hein. Vous avez plus le choix maintenant, hein. Même les Canadiens et les Belges ils doivent soutenir le Maroc maintenant, vous avez plus le choix, MDR, ok, je lance la vente, j'appelle mon MK2, tu peux le prendre Orma, Rafka, toi t'as ton MK2 je suppose, ouais. Ouais, je suis avec. C'est bon, je l'ai rappelé du coup. J'ai appelé le Michael. Ah, bah, si tu veux, tu peux le prendre, hein, tiens. Putain, mais pourquoi je l'ai fait en président du club? J'aurais dû le faire en PDG et appeler leur gars fantôme. Ah ouais. Ah merde, c'est pas grave. Vous avez vos MK2. Ok, bah, let's go, les gars. Il y a quand même 5 points de livraison, ouais, hein. Du coup, c'est bon pour moi. C'est sûr, il y a 5 points de livraison. Les gars, juste quand il y a des PNJ qui sont proches de moi, ne leur tirez pas dessus. Parce que ça peut exploser mon marchandise. Ouais, ok. Ah ouais, quand même, putain, c'est une vente de merde, quand même. Oh, il y a un laser. Tu peux t'ajouter ? Comment ? En quoi, en ami ? Ouais, sur PSN. Ouais, si tu veux. Moi, je suis franco-algérien, clean car. Ah ouais, oh putain, tu supportes le Maroc alors, mon ref, hein ? Ah ouais, on est voisins, mon ref. Moi, je vous jure, les gars, il y aurait eu l'Algérie et pas le Maroc, j'aurais soutenu l'Algérie. Avant la Belgique, il y aurait eu l'Algérie et la Belgique. J'aurais soutenu quand même l'Algérie avant la Belgique. Orma, tu m'as reçu? Bref. Ouais, c'est yo, bon. Yo, MK, comment... Ok, cool. Comment... ça va? What's up? Ça va? Et toi? On essaye de pas provoquer les joueurs autour. S'ils sont calmes, on les... Ouais, des préférences, les gars. Mais... Par contre, non, Orma, il faut arrêter de faire ça, parce que... Non. Tu vois, ça me... Il faut, ouais, genre, voilà, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais... Tu vois ce que t'étais en train de faire, là? Tu vois, ça vient devant mon écran, ça me gêne en fait. Ah oh, putain, ce camion il pue la merde. On a 18 minutes, 5 points de livraison. Hein. La dernière, elle sera sûrement à Paletto Bay. Putain, les gars, ça fonce sur nous là. Oh, ah bon? Il y a deux avions là, préparez-vous. Oh putain.
Ah les gars, je commence à mal la sentir la vente. Je fais cuire des crashs. Je suis distrait. Ah ouais, il y a deux avions. Ouais, ouais mais ils sont en train. Ils viennent pas, ils viennent pas, les gars, ils viennent pas. Ils sont proches. Il y en a un qui vient là. Blanqui. Ah, c'est le mec de là tantôt qui te suivait. Bah Blanqui. Les gars, je compte sur vous là, Mifet protection au max. Bon, moi je vais accélérer les potes. Aussi on manque de temps hein. J'ai que il me reste 17 minutes putain mais d'un coup elle trace cette camion pourquoi elle était toute lente avant là elle est en train de tracer je crois j'ai pété un pneu ou c'est quoi oh, elle est en train de voler là bah, écoute tant mieux on va pas se plaindre hein. Regardez comment elle tremble et tout non je vous jure les gars il y a un glitch là ah les gars il y a un MK2 faites gaffe un MK2 rose. Rouge, rose, orange, un peu vers le nord là où je vais. Il est vers nous, les gars, il est vers nous. Hein. Andek. Franchement, lui. C'est bon, MK, j'ai réussi à faire la technique judo fin. Ah, GG. Attends, il trace, il nous calcule pas. Non, il a dit, bon, il a dit, il est escorté avec deux MK2, j'ose pas. Ok. GG, les gars. Ça, comment vous dire non, Orma, fais pas ça, Orma, j'ai ma visibilité. Qu'est-ce que j'allais vous dire ça intimide en fait. Quand il y a une vente et qu'il y a deux MK2 autour, ça intimide les joueurs. Ils réfléchissent avant de venir exploser. Franchement, c'est la meilleure méthode. Hein. Si vous êtes à 4 même, club de motards, on peut même mettre à 6. Un véhicule de vente et 4-5 MK2 autour. Ah, je vous jure, il n'y a personne qui va approcher. Ok, première vente. Let's go. Ah, il y a un PNJ. Attends. GG. Oh, ça arrive derrière. Il a la trique ton camion. Mais oui, je vous jure. D'un coup, il a commencé à rouler beaucoup plus rapide. Et il tremblait comme ça. C'est comme s'il était un peu glitché comme ça. Mais écoute, tant mieux. Hein. Je sais pas la trique, mais c'est sûrement la. Ah putain, les gars. Attends, bon, les gars, je vais me concentrer de nouveau. Sur la vente, sinon je vais la foirer. Ah putain, il y a un passage ici, merde. Tout. Ok, là à gauche, il y a du bois, je peux les écraser. Il me reste 15 minutes. Ah, mais non, je suis en train de tout niquer là. Ah, sinon, il n'y a personne qui a la vigilante, non. Moi, je l'aime. Non. Jure que tu l'as. Ouais, je l'ai, la vigilante. Bon, après, est-ce que ça en vaut la peine de l'appeler, de me pousser avec ou... Ouais, carrément. Ça en vaut la peine. Ben, vas-y. Tu vois le point que j'ai, le point jaune là vers lequel je vais. Sinon, fonce déjà vers là. Maintenant, là. Ouais, voilà, fonce vers là. Comme ça, t'as un peu d'avance. Et appelle là. Ou bien rattrape-moi. Appelle là où tu es, rattrape-moi. Désolé, le chat. Je suis à fond dans la vente, les gars. Je vais lire après le chat. Gros respect à vous tous, merci pour le soutien, vous êtes au top, 44 likes les gars, franchement ça fait super plaisir. Sur le live précédent on avait atteint les 70 likes déjà, donc on est à 110. Ouais, appelle ta vigilante, moi je continue à le sécuriser. Ouais, obligé, garder un MK2 actif quand même au cas où. La vigilante c'est pour le boost, et la MK2 pour la protection, donc ouais, bien vu RAV4. Ok, il me reste 14 minutes, c'est carré, on va le faire hein. Je vais juste. Ça va pas te déstabiliser justement. Non, si tu donnes des petits coups bien précis, non, ça mais va. Tu pousses que en ligne droite. Voilà, ouais, que en ligne droite. Ok. Mais après, tu vois, j'ai remarqué que les. Et tu prends ma MK2. Ouais, non, reste en MK2, RAV4, comme ça, s'il y a un concert qui s'approche. Faire, hein. Ouais. Regarde, les gars, observez bien pour ceux qui regardent le live. Hein. Observez bien, le camion, il tremble et il va beaucoup plus rapide que d'habitude. Je sais pas, il a eu un boost ou un... Peut-être qu'il a été buff. Je sais pas. Ah, même quand tu me pousses, RAV4, ça avance. Après, ce que j'allais dire... Voilà que ça avance un petit peu quand même. Hein. Wow. Pas autant que la vigilante, mais ça avance quand même. Qu'est-ce que j'allais dire j'ai remarqué que les 4 points, les 3 points restants, ils sont assez proches. Hein. Donc, en principe, c'est bon. Hein, dès qu'il y a un mec là... Attends, il y a un cumé devant. Il est en sparo, fais gaffe. Je pense qu'il est occupé à faire ses business. Il n'est pas concert.
J'espère pour lui. Coolman, c'est bon. Non, il se barre, il se barre. C'est Coolman. C'est Coolman, vas-y. Let's go. Ok, encore 2 points, les gars, on a fini. Hein. Putain, il faut que je sorte ce merdier. Ah, il y a un hélico. Il est avec nous ou pas? Attends. Bah, il s'approche pas. Non, il se barre, il se barre. C'est un espagnol, Los Marineros. Ils ont tous peur de toi aujourd'hui. Hein. C'est un espagnol, les gars, Los Marineros. Ah, les gars, je suis. Oh, les gars, je suis coincé, merde. Tu veux que je te pousse? Ouais, s'il y a moyen. Attends. Ah, c'est bon, je me suis débarrassé. Et je me suis allez, débloqué. C'est bon, vas-y, viens, on continue vers le point. Non, 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 le PNJ! Ouais, le PNJ! Bye bye, vigilante! Après, tu viens de l'appeler, tu l'as déjà perdu, wesh. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, on est presque, on a presque fini. Salut Noah, wesh, wesh, bienvenue sur le live, poteau. On va se capter après, les gars. Noah, la team. Je vais juste finir la vente. Vas-y, go. Hein. Le GPS, est-ce que je vais le mettre? Non, je vais gérer son GPS. Je vois le point. Pourquoi je mets le GPS souvent? C'est parce qu'il montre quand même des itinéraires plus intéressants. C'est pour ça que c'est assez pratique, les GPS, des fois. Mais bon, on y est presque, les gars. Let's go, on y est presque. Je vais même couper par le sable ici. C'est pas grave, le sable, c'est juste des fois il y a des cailloux. Elle a l'air calme la session, on a de la chance. Comment? Elle a l'air calme la session, on a de la chance. Elle a l'air calme et il y a du monde. Oh putain, il est full de chez full, les gars. On aura le gros bonus. Les gars, la moitié de 2 millions. 50% de 2 millions, c'est combien? Les gars, on va peut-être péter 1 million de bonus. Hein. La vente, elle vaut. La vente elle était à quasi 2 millions, ok. 50% de 2 millions c'est comme c'est 1 million. Après il y a la part de l'autre bâtard Tony, faut pas la négliger. Mais on va péter un gros bonus, les gars. Un gros bonus. On va voir ça tout de suite, on va découvrir ça tout de suite, les potes. Hein. Attends, tac, je dois passer par où maintenant? Attends, je dois pas me tromper. Hein. On doit aller sur près de l'aéroport là-bas, ok. C'est 1 million Chrisso. Eh ben les gars, regardez bien. Hein. Regardez bien les gars. La vente, on l'a lancée, elle valait 1 950 000. Il y aura 50%. Donc ce sera 3 millions. Le bâtard de Tony, il va prendre 10%. Donc il va prendre 300 000. On va finir la vente avec 2 700 000 les gars. 2 700 000, vous allez voir ça tout de suite. Si ça, ça en vaut pas la peine, alors je m'appelle pas MK. Attends. Bon, on va couper par là. Parce que j'ai vu un joueur, j'ai paniqué légèrement. Juste légèrement. Eh ben franchement, avec tous les erreurs qu'on a fait, les pertes qu'on a subies, etc. Oh, ok les gars, il y a un orga fantôme, faites gaffe, faites gaffe. Rafkat, ne reste plus près de moi. Scan le périmètre avec tes missiles téléguidés. Scan le périmètre avec ton missile téléguidé. Dès que tu vois qu'il y a un lock-on, tu exploses, tu tires à fond. Hein. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Parce que là, Orga Fantôme, juste maintenant là. Oh putain, non, non, non. Juste maintenant, ça fait chelou. Ça fait chelou. Moi, j'y suis presque, mais la route ici, elle pue la merde. Vas-y, pour l'instant, c'est clean. Vas-y, t'inquiète. Ok. De toute façon, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin. On est pas loin. Ouais, c'est bon, t'es arrivé de toute façon. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, mais on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Ah, attends, attends, ça sonne là. Ok, tire, tire, explose, 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 ah, explose. Non, non, c'était c'est un brouilleur, c'est un brouilleur. Ah, c'est un brouilleur. Bah, explose de quoi même, ça te met 2000 $. Ouah, les gars, le moment de vérité. J'espère qu'ils vont pas me dire tuer des PNJ ou quoi que ce soit. Ouh, les gars, regardez en haut à droite. Ah, putain, y'a la caméra. Il y a la caméra, je vais la bouger. Regardez les gars, regardez. Regardez ça les gars. Regardez ça. Combien? Allez. 2 700 000, je l'avais dit les gars. 2 700 000. 2 700 000 les potes, la boîte de nuit. Ça va? J'ai touché 60 000. Oh GG. Ah ouais, bah tu t'es mis bien là. Ah de ouf. Ouais, 60 000 ouais. GG les gars, moi 2 700 000. Les potes! On a commencé le live avec 250 millions et on est à 256 millions les potes. 256 millions. 256 millions 3.
Si on avait réussi la vente de méthamphétamine, on aurait pris au moins 1 million. On serait à 257 millions. On aurait farmé 7 millions, les gars. 7 putain de millions, on aurait farmé sans Keio Perico, hein. Sans Keio Perico, hein. Ça en valait la peine. Franchement, c'était une des meilleures semaines bonus GTA Online, les gars. Les bonus, franchement, ils étaient lourds, hein. Ah, merci, merci. Franchement, merci les refs. Merci Orma, merci Rafka. Vous êtes au top, les gars. Lui. Qui ça? De rien, frérot. Avec plaisir. Moi, je me déconnecte, mais je reste sur le live. Ah, ok, ça marche, Poutou, ça marche. Moi, les gars, moi aussi, je... plaisir, ça m'a fait plaisir de jouer avec vous, les gars. Avec plaisir. Eh, Rafka, si t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit, ou si t'as besoin d'argent aussi, tu me dis, j'ai un KO dispo, hein. Un Panther pour les abonnés, pour gagner de l'argent facile. Ou pour les potos, tout simplement. Ouais. Vas-y, bah, Rafka. Maintenant, le caillou. T'as parlé d'oseille, je reste. C'est vrai, les gars, je vais faire plaisir à Rafka, les gars. Vas-y, mais il faut aller sur MK YouTube. Hein. Il faut qu'on aille sur MK YouTube. Sur mon autre personnage. Tu l'as, j'étais en ami, non? Ouais. Je crois que je l'ai en plus, MK YouTube. On peut le faire à toi, ton caillou? Non, non, je préfère pas parce qu'une fois. Une fois je l'avais perdu en le faisant à 3 avec des abonnés et je l'ai perdu même avec le glitch. Donc je le fais qu'à 2. Après RAF 4, je pense qu'il est déjà prêt. Mais je suis pas sûr à 100%. Je vais devoir vérifier. Vas-y go, je vais aller sur MK YouTube. Je vais juste tout sauvegarder ici. Attends, style, tac, tenue, sauvegarder. Ok les gars. Normalement je pense qu'il est déjà prêt, hein. Mais non, juste parce que c'était un YouTube, deuxième. PS4 ou PS5? Non, sur PS5, sur PS5. Ok. Ok, bah écoutez les gars, je vais me déco de ce compte, je vais vite. Ta session. RAF 4, normalement j'étais en ami sur notre personnage, ouais. Sur MK YouTube, ouais. Ouais. Ah bah ça marche. Alors c'est lequel? C'est ça, c'est PS4, c'est celui-là. Vas-y les potes. Un KO à 15% MDR. Ouais, fais le KO s'il te plaît, ça fait plaisir un petit KO. Ok, ouais, ça marche. C'est pas Caillou, c'est Caillou Perico. Tu le fais maintenant le KO s'il te plaît. Attends les gars, on va l'offrir à RAF 4. Et c'est, il est dispo pour tous les abonnés PS5 les gars. Et j'ai aussi un sur PS4, hein, pour les joueurs qui sont sur PS4. Aussi j'ai un KO Diamant Rose. Pardon, Diamant Rose, Panther les gars, Panther. Le seul Diamant Rose, c'est le Super Chat Rose de Hugo de 50 euros qui vient d'être balancé sur le live. Let's go Hugo, merci frérot. Let's go. Gros big up à Hugo. Big up à toi Hugo, merci. Attends, son, tac. Casque, non, c'est ici une sortie audio. Ok, normalement, le vocal précédent. Attends. Les gars, on va d'abord lancer GTA. On va vérifier pour être sûr, pour pas s'affoler. Parce que si le KO il n'est pas prêt, là par contre, les potes, je crois que RAF 4 il va attendre. Je suis pas sûr. J'espère qu'il est prêt, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais on va vérifier. Mais en principe, je pense qu'il est prêt. Voilà, les potes, 7 putain de millions qu'on a farmé. 7,3 millions, les gars. Qu'avec les clubs de motards et le bunker et la boîte de nuit, hein. Pas de KO, on n'a pas encore touché au KO aujourd'hui, hein. Franchement c'est du lourd. Merci Hugo encore une fois, ça fait plaisir de voir le gros super chat 50 euros sur le live, sur le super chat, sur le chat. Let's go les gars, allez colorez moi ce chat avec des couleurs roses. Vous pouvez aussi mettre des bleus. On a eu un super chat de, comment il s'appelle encore le ref? Allez le canadien, les gars je me rappelle Matt, gros, j'allais dire son nom de famille. Matt, gros big up à Matt aussi qui nous a fait un super chat sur ce live. Gros big up à tous les sponsors de la chaîne. Let's go. Ok les potes, donc ça charge. Je vais aller vérifier le KO. Je dois vite aller aux toilettes par contre, vite avant de lancer le KO. Je vais créer un vocal aussi avec RAF 4 et compagnie. Attends, j'ai spawn. Attends, c'est quoi ça? Merci pour votre abonnement à GTA+. Vous avez reçu votre bonus mensuel de 500K, hein. Mais c'est valable jusqu'au 28, non? Jusqu'au 13. Hein? Les gars, c'est quoi ça? T'as coupé la partie? Non, RAF 4, c'est juste parce que j'ai changé de personnage, hein. Attends, je vais vérifier si j'étais en ami. Non, je l'ai pas, RAF 4, pas sur MK YouTube, hein. Attends, Orma, il est là. Attends, on va créer vocal avec Orma. Je pense qu'il est encore avec le... Attends, party public. Je pense qu'il est encore avec le vocal de... Avec RAF 4. Attends les gars, parce que là je comprends pas. Pourquoi ça me dit GTA Plus, je sais pas quoi là. Pourquoi ça me dit GTA Plus Orma? Ah, ils sont là, let's go, ils sont là.
RAV4, je l'avais en ami. Mais les gars, GTA Plus, c'était supposé changer le 13, mardi prochain. Pourquoi on me donne 500K et compagnie? Les gars, vous m'entendez en vocal? Allô, allô? Ah, ok. Yo, 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 les gars, vous m'entendez? Je t'entends. Ah, ok. Désolé, parce que j'ai changé de PSN, et donc ça m'a exclu direct du vocal précédent. Ouais, y'a pas de souci. Ok, bon, les potos, regardez-moi ça. J'ai gagné 500K pour GTA+. Vous pouvez voir tous les avantages disponibles. Mais ils allaient changer que le la semaine prochaine. C'est bizarre. Bon, écoute, j'ai reçu 500K. Elle a été créditée. J'ai 10 millions sur ce compte. Ok. Bizarre, les gars, tout ça. Je vous parle sérieux, c'est bizarre. Par contre, je te vois jamais en ligne. Ah, bah non, je suis dans la même session. Mais ouais, mais c'est bizarre, je te vois jamais en ligne sur ce compte. Mais je suis. Moi, je commence toujours hors ligne. C'est un pré-réglage de base. Je me mets toujours en hors ligne, ah, en fait. Okay. Là, je suis en ligne. Ok, par contre, c'est avec mon deuxième personnage de ce compte. Hein. Attends. Il faut que je gère les personnages. C'est bizarre, les GTA+, là. GTA+, c'est un abonnement BK. C'est un abonnement que tu prends et t'as des avantages. Mais normalement, c'était prévu jusqu'au mardi 13. Je sais pas pourquoi maintenant je reçois la notif que je viens de recevoir les nouveautés de GTA+. Imagine, le DLC, il est sorti aujourd'hui. C'est trop bizarre, les gars. C'est trop bizarre. Vas-y, les potos, je vais laisser charger ça et j'arrive tout de suite. On va... Je vais vite aller aux toilettes, les gars. Donnez-moi quelques secondes. A tout de suite. Bisous. Oh Dadou, ça va ou quoi Doudou? Pour une fois j'étais en live. Et big up à Hugo Boss, le boss, à Crisio, à tout le monde, tous les habitués et tous les nouveaux aussi. Vas-y, y a pas de souci.
Ok, les poteaux, moment de vérité, surtout pour RAV4, 64 AMG, 63. Alors, voyons voir. Je vais déjà mettre en PDG, j'espère qu'il est prêt. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a la panthère. Ah, sur ce compte, elle est pas en difficile. Et est-ce qu'elle est prête, Berthe? Alors, 4. Si t'as 20 minutes, je peux te le préparer. Allô? Allô? Ouais, je suis là, poteau. Ouais, RAV4, j'ai la panthère, mais il est pas encore prêt. Ah, dans 20 minutes? Ouais, je peux vite le préparer si tu veux. Tu seras cool? Bah, vas-y, au pire, tu sais quoi, je reste en ligne. Si je suis là dans 20 minutes, tant mieux, sinon, bah. Ça va, les gars, franchement. Let's go, les potes, vous êtes chaud pour une petite prépa? On va essayer de speedrun, même si j'ai pas des véhicules sur ce compte. On va le speedrun, les potes, let's go. On va le speedrun, on va le prépa. Let's go. Ah, je vois que vous êtes dans la session. Il y a un abonné, allez, un poteau dans la session, il est bleu, je sais pas c'est qui. C'est RAV4? Ah bah let's go. Au pire des cas, on peut le faire. Ouais, bref, on verra. Noah, je pourrais être modo s'il te plaît. Attends-moi, Noah, attends deux secondes, poteau. Les gars, je vais me concentrer maintenant, je vais le faire en speedrun. Je vais pas trop discuter, comme ça, je perds pas de temps. Tu restes sur la map, c'est bon? Vas-y, ça marche, mon pote, ça marche. Je vais faire le plus vite possible. Vas-y, à tout, frérot. En plus, je live à 21h30, merci de passer. 21h30, c'est dans 20 minutes, poteau. Moi, je serai encore en train de jouer, Hugo. Mais après mon jeu, si t'es encore en live, je passerai sur ton live, mon ref. Ok, pour voyager, Facebook Chipitch. Ok, les gars, on va voir ce qu'on pourra faire comme speedrun. En sachant que j'ai pas beaucoup de véhicules. Je sais pas si j'ai le MK2, je sais pas si j'ai le Sparrow. Je crois que j'ai la MK2 avec les 100 missiles. Parce que j'ai pas de terror bite sur ce compte. Ouais, voilà, quoi, vous avez compris le délire. Donc, on va commencer avec les QG de Mary. Arsenal, en espérant qu'on n'aura pas le QG de Meriwether. Parce que si on a le QG de Meriwether, j'ai pas les missiles sur le Kosatka sur ce compte. Donc on verra bien, les potes. On verra. Naïl, je suis quoi, frérot? Je suis quoi là, poteau? Je sais pas si ça se voit bien là, si je suis bien sur la caméra. Mais bien sûr, frère. Vient du Maroc, mon ref, Naïl. Ok, bon, let's go. Arsenal. Agresseur. Ah, le bâtiment de Penrith, ça fait plaisir. Ça fait une mission réussite déjà. On n'a pas le QG de Meriwether. Franchement, les potes, donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai deux PSN principales. J'ai un PSN où je farm, je vise les 1 milliard. Je suis à 260 millions presque. Je compte pas acheter trop de choses. Je compte rien acheter en fait avec cet argent pour le DLC qui va venir et tout. Et j'ai ce compte là avec lequel je fais les découvertes PSN, DLC et tout. Là en ce moment j'ai 10 millions. On a encore une semaine avant le DLC. Je pourrais encore farmer au moins 10 millions dans cette semaine. J'aurai peut-être 20 millions d'ici le DLC. C'est assez d'après vous ou pas? D'habitude c'est moi qui vous dis tout le temps combien vous devez avoir. Mais qu'est-ce que vous en pensez, les gars? 20 millions pour le DLC. Écoute, pour le premier jour, les véhicules, tout ça, ça devrait assez, hein. Aise. Ouais, en plus, j'ai énormément de véhicules que j'utilise pas beaucoup. Je pourrais peut-être même en vendre quelques-uns, hein. Ouais, ça devrait être bon, les gars. 10 millions, on a déjà. C'est parfait. J'ai encore un Keio Panther avec le personnage de farm, parce que ça, c'est un personnage d'offre. Pour ceux qui comprennent pas trop, les gars, c'est... Voilà, j'ai deux personnages, un KO pour les abonnés que je garde pour eux et un KO que je fais tout seul. Donc j'ai encore une deuxième panthère, mais celle-là c'est pour moi. J'ai des business sur ce compte. Donc en vérité, on va s'en sortir, les gars.
On va s'en sortir. 20 millions, c'est carré au Crisso. Ah, ça devrait le faire, les gars. En sachant que l'entreprise criminelle, on avait payé 25 millions le premier jour. Ah putain, il est encore en vie ce bâtard. Il est pas mort, hein. Mais c'est normal, je lui tire dans les pieds. Ah, il est mort. Tellement que je suis noob sur ce compte, j'ai même pas de mitrailleuse de combat et tout. Oh, oh putain, j'ai pas de santé et j'ai pas de mitrailleuse de combat. Je suis obligé d'utiliser les armes laser parce que c'est les plus performants dans les parmi les armes, quoi. Qu'on peut acheter directement avec un niveau bas. Il veut pas crever, hein. Ok. Par contre, ils sont pas précises, les armes laser. Ils ont un défaut de précision. Salut MK, les abonnés. GG pour le match. Merci Madinina. Gros big up à toi. Merci pour le soutien, mon ref. Ça fait plaisir. Hein. Non, il est tunisien, je crois. Khalash, Kalash. D'accord, poteau. D'accord, on est tunisien. On est maghrébin, poteau. On est tous des berbères d'origine de. Comment? Des descendances. 44, 20, 95. Donc je vous avais toujours. Mémorisez les chiffres où il y a un 0 dedans. Hein. Voilà, ici, regardez. 44, 20 direct. Donc quand vous avez les 4 chiffres là, mémorisez toujours celui où vous avez. Essayez toujours de détecter celui où il y a un 0 dedans. Il y a toujours un chiffre où il y a un 0 dedans. Hein, un nombre où il y a un 0. Essayez de mémoriser toujours ce nombre là. Ce sera toujours plus facile à détecter que les autres nombres. Ok. Attends, je vais réapprovisionner les munitions quand même. Avant de sortir. 7000 dollars. Ok. Et est-ce qu'on a des gilets ou des encas? Non, on n'a pas de gilets. On avait quelques encas. Ok, venez, on se barre. Parle-toi. Salam mon frère, salam Enuxuxia, ça va ou quoi mon ref? Félicitations pour la victoire du Maroc, on est tous frères algériens, marocains, let's go les gars, franchement ça fait super plaisir. Et le Maroc il a une responsabilité énorme les potes, parce qu'on représente l'Afrique les gars, on représente toute l'Afrique les potes, hein, dans ce mondial. Franchement, donc on est tous ensemble, toute l'Afrique les potes, hein, sous le même drapeau. Hein. Donc soutenez un max les potes, on va y arriver, hein, franchement. Je me sens. Je sens que l'équipe, franchement, ils ont, eux, le potentiel d'aller très, 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 très loin. Et il serait temps, les potes, il serait temps. Hein. Tous les Européens, ils ont déjà gagné la Coupe, je sais pas combien de fois. Les Américains du Sud, etc. Il serait temps que l'Afrique, les potes, même en 2010, la Coupe du Monde, elle était en Afrique. Et il n'y a aucun pays africain qui a obtenu la Coupe. Il serait temps, les potes, que la Coupe reste 4 ans en Afrique. Quand elle sera au Maroc, elle sera en Afrique, les potes. Donc soutien max les potes, let's go. On vient tous d'Afrique. Ah oui, Madinina, vu de ce point de vue là aussi. Il est français avant tout. Non, Goldie, je suis belge. Je viens de la Belgique, mon pote. J'habite en Belgique. Donc j'ai rien à voir avec la France. Oh là là. Ok les potes, une mission sur 4, sur 5. On va le faire en Kosatka, les potes. Attends, viens, on va vérifier si on a de l'or. En principe, on a de l'or. On va vérifier si on a de l'or. De toute façon, on va quand même le faire en Kosatka. J'ai pas envie de me balader en longue fin. Mais on va regarder si on a de l'or. On a deux or et deux tableaux. C'est carré. On va prendre le... On va prendre le Kosatka, les gars. Ok, let's go. Test de Meriwether. On va se TP en Kosatka. J'arrive, MK, invite-moi en vocal comme ça, je te rejoins direct. Ok, par contre, Noah, j'ai encore du travail avant. Hein. Je vais d'abord finir mon travail et après on se capte si je joue encore d'ici là. Pour voyager, alors. On va là-bas. North Chumash. Les Français et les Belges, c'est des frères. Moi je me sens plus lié aux Hollandais qu'aux Français les gars, même si je parle français. Je suis désolé pote, parce que j'ai grandi à Anvers, néerlandophone, je suis néerlandophone de base.
Et ma langue maternelle, c'est le néerlandais après l'arabe. Et je me sens plus lié avec les Hollandais, les potes, je vous pense. C'est les frères des Wallons, là, des Parisiens. Voilà, les Wallons. Parce que nous, en Belgique, on a deux départements. Allez, pas départements, deux régions. Hein. On a la région flamande et la région wallonne. Peut-être que les Wallons, ils sont plus... voilà. Après, on est tous frères dans l'humanité, si on peut dire ça comme ça. Ok, les potes, comment je vais gérer cette mission encore? Il faut que je prends ici la tenue de plongée, ouais. Tenue de plongée. Ok, ah, par contre, je vais pas... Attends, j'ai pas... Attends, je vais... Oh, non, je vais aller en Kusatka, quand même. Non, je vais aller en Kusatka, les refs. Hein. Je suis pas con, je vais m'approcher un max en Kusatka, quand même. Ah, je vais aller plonger. Ok, Noah, et les Belges sont nos amis. Après, vous êtes des bâtards, les Français. Vous nous avez volé les frites, alors que c'est nous, on les invite. Allez, nous, les Belges, on les a inventés. Et on m'a dit ici à l'oreillette que la France ils sont très racistes. On part à la Belgique. Là-bas, non, c'est vrai. Ils veulent rien du tout. Ouais, non, les Français. Les Français. Moi j'ai rien contre la population française de base, hein, franchement. Ou le pays, la France, franchement, super beau pays. Hein, un des plus beaux pays en Europe. Mais. C'est vrai que. Ouais. Bref. Je veux pas perdre mon audience française. Coucou les gars. Vous êtes 70% à me regarder sur YouTube. Les Français. Voilà que je suis plus regardé par les Français que les Belges. Ah, la Belgique c'est petit. Tu penses que le trailer sort jeudi? Alors Enuruxia, je pense que il sortira ou bien jeudi, ou bien même vendredi, ou bien le jour du DLC même. C'est aussi possible. Les gars, comment on plonge dans le sous-marin encore? C'est carré, non? Non. C'est rond? Voilà, trop stylé. Les PNJ, ils n'arrivent pas à me tirer dessus avec cette grosse colosse. Par contre, je sais pas comment on descend. Hein. X. Voilà, X, les gars. X, X, X. Par contre, c'est pas profond ici, wesh. Ah, c'est bon, j'y suis. En fait, il y a des rochers et tout. Bien parlé, MK. C'est comme les Américains qui ont volé les hamburgers alors qu'ils étaient inventés par les Allemands. Ouais. Ouais. Bien vu, poteau. Ok les gars, j'ai pas envie de foirer la mission, on va essayer de la réussir du premier coup. Bah c'est vrai qu'on a râlé beaucoup. Mais non, j'étais en dessous, putain les bâtards. Mais non, j'avais mis le Kosatka en dessous là, wesh, toz. Y'a rien qui marche aujourd'hui, hein, à part le Maroc. Mais allez. Voilà. MK, je viens de faire un combat snipe contre un gars. J'espère que tu l'as éclaté, Samet. Bon, les potes, je vais me concentrer là maintenant, par contre. Oh putain, ça commence bien à me tirer dessus là. Putain, j'ai pas d'onka. Ah, si, j'ai des onka, mais j'ai pas de gilet. Oh putain! Allez les gars, je vais tout foirer là, je le sens. Oh putain! Ils sont blindés, ils sont cachés. On dirait que je fais le braquage du Bogdan. En tant que noob. Hey, il est où? Il y avait un garde ici, il est où? Ah, il est là. Ok. Ok, il faut qu'on trouve ce bazar le plus vite possible. Ici, il y a un gilet? Ouais, il y a un gilet, let's go. Il faut qu'on trouve ce bazar le plus vite possible. Ah, il est là! Oh, let's go! Let's go! On rentre, on sort! Il est compresto! C'est parti! Yeah! Elle est où pour la sortie? Putain, je me suis... Elle est où la sortie? Elle est là.
Ah, c'est bon, on a géré, les gars. On a géré cette fois. Ni vu ni connu. Je l'ai éclaté 8-0. Ça m'aide. Bien joué, mon pote. Faut tous les éclater. Surtout les griffeurs. Ok, là par contre, on doit encore arriver à notre Kosatka. Mais on peut entrer par en bas. En dessous. En dessous. Comme ça, on se fait pas tirer dessus. Et mission réussite, hein, let's go. Ça fait plaisir. Allez, je pense qu'on peut entrer par en bas quand même. Hein. Ou c'est qu'en voiture. Ah, c'est bon, les gars. Let's go. Kala, je crois qu'il y a une ville, Hambourg, en Allemagne, si je me trompe pas. Et c'est de là que ça vient, l'hamburger. Possible. Ouais, Tipeee, elle a trouvé un jouet. Elle va nous les casser maintenant. Ok, Rav4, si tu m'entends, frérot, on est à 2 missions. Encore 3 missions, c'est réglé. Hein. On va retourner à Vespucci Beach. On va continuer les 3 missions qui restent. Il y a trop de bugs en ce moment sur GTA. Alexandra attaqué. Ah, j'ai pas remarqué. J'ai eu un bug avantageux là tantôt avec la vente de la boîte de nuit. J'avais l'impression que le camion il roulait beaucoup plus vite que d'habitude et il tremblait. Donc je pense que c'était un peu bugué, glitché, je sais pas. Mais ça m'a fait plaisir. Après des autres bugs, j'en ai pas croisé beaucoup. On a quand même joué presque 5 heures aujourd'hui. Et voilà. Ok les potos, prochaine mission, viens on fait le chalumeau. Bah oui, je sais c'est que là vient le hamburger, il vient de New York. C'est comme les gyros. Les gyros ça vient de Turquie, les Grecs ils ont volé ça. Chalumeau. Gyros. T'es quoi, Noah? Je... C'est comme le couscous aussi, hein. Putain, il est en immersion, ce bâtard. Ok, les gars, mauvaise nouvelle. Le Kosatka, il est en immersion. Je dois le remonter aux surfaces. C'est comme les Algériens, ils ont volé le couscous. Au Marocain. Je suis là, je rejoins vocal. Oui, Ridouane, mais le problème c'est que... Attends, je dois d'abord finir mon travail. Attends, on va naviguer. On va le... Parce qu'il est en immersion, ils nous ont dit. Il faut qu'on le sorte de l'immersion. Ah ouais, c'est comme ça. Comment on fait pour remonter? Carré, les gars, carré. C'est carré, let's go. Je vais peut-être m'approcher, les gars. Je vais peut-être m'approcher, comme ça, je gagne un peu de temps. Je vais m'approcher de la plage. Par contre, il y a un mec, là, merde. Il y a un mec, PDG. Non, juste une question, Kalash. Je ne savais pas trop. J'ai toujours détesté l'Allemagne. Non, moi, j'aime bien l'Allemagne. Franchement, moi j'aime bien l'Allemagne. Allez, moi je sais pas pourquoi tu la détestes en tout cas. Oh non, merde, il y a un mec. Mais non, il va pas me les casser quand même. Non, les potes, moi j'aime bien l'Allemagne, franchement. Je sais pas pourquoi, je vois aucune raison pour détester l'Allemagne. Ils ont des super bonnes voitures déjà, de 1. Ils ont les meilleures voitures au monde. Mais d'accord. Ah oui, j'avais déjà lancé la mission. On va juste prendre le Sparrow et réussir la mission. Je suis là, je rejoins ta vocale. Je peux te rejoindre. Non, 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 les gars, pour le moment, ne rejoignez pas la vocale, s'il vous plaît. Je dois d'abord finir le KO, le faire avec Rav4. Et après, je vais voir si je vais jouer ou pas et tout. Bref, si on va encore jouer ensemble. En tout cas, le farm, c'est fini, les gars. Je vais juste offrir un KO à Rav4 parce qu'il m'a énormément aidé. Pour Arnaud, non, comment il s'appelait? Armo, comment il s'appelait l'autre ref? Arnaud, non? Orma, il s'appelait Orma. Lui aussi, il mérite un KO s'il en a besoin, en tout cas, s'il m'entend. Mais moi, je vais arrêter de farmer, en tout cas, aujourd'hui, pour mon compte, les gars. J'ai farmé plus de 7 millions. Hein.
plus de 7 millions, les gars, j'ai farmé. Vous avez été témoins. Pour moi, ça suffit aujourd'hui. Donc, on va voir si on a encore de temps et l'occasion de faire quelques activités après ça. Peut-être un petit affrontement ou un fight contre Noah. Peut-être qu'il aime bien ça. Moi aussi, donc on est ensemble. Hein. Ok, let's go. Allez, mets ton casque. Elle veut pas. Ok, elle veut. Tu finis le live à quelle heure? Alors, what's up? J'ai pas d'heure prévue. Hein. Je vais voir ça à l'improviste. Hein. Je vais suivre mon intuition. Mais d'abord, il faut d'office que je fasse les KO pour au moins RAV 4. Hein. Orma, au pire des cas, on lui fera une prochaine fois si l'on veut un. Mais pour RAV 4, je vais le faire quand même. Hein. S'il est collecté dans 10 minutes comme ça. Et après ça, je vais voir hein, si je vais peut-être faire une activité ou deux vite fait avant d'arrêter le live, les gars. Par contre, ils sont où ces putains de chalumeaux? Il est où? Ah non, 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 me touche pas! Ah putain, ils m'ont cramé! Ils m'ont cramé! Je l'ai à peine touché, le mec! En plus, ils campent ces bâtards! Ils sont tous regroupés, ouais, je suis regroupement familial ou quoi? Ah putain, j'ai plus de santé, moi! Ah, c'est bon, j'ai Anka. Allez, casse-toi! Le chalumeau, il était pas là. Il était là. On va prendre le hop, bâtard. Ils ont dit quoi, les gars? RAV 4, big up, MK, je suis toujours là. Ah, ça marche, mon ref. Goldie, il va faire le KO en live. Oui, je vais le faire en live. Tu as quoi comme objectif principal? Panthère, Wazik, j'ai la panthère. Peut-être dans 2-3 ans, je partirai voyager en Autriche. Attendez les gars, je vais d'abord me barrer d'ici. Peut-être dans 2-3 ans, je partirai voyager en Autriche. Mais je voudrais savoir, il y a quoi à visiter en Autriche. J'aimerais avoir quelques avis sur ce pays. L'Autriche, j'ai jamais été, je connais pas trop bien. J'ai déjà été en Suisse. Là, franchement, j'ai trop envie d'y retourner. Mais l'Autriche, c'est un peu semblable aux Suisses, je crois. Ils ont les montagnes, les chalets, le ski. Je crois qu'ils parlent allemand là-bas. Ouais, en Autriche, ils parlent allemand, non? MK, mon live commence à 22h. Et à vous tous, merci. Ok, moi, Hugo, je serai là, plutôt. Même si ce sera à 22h15, 21h15. Après, je vais sortir, je serai en voiture et tout. Je vais déposer mon tel et je vais regarder ton live quand je serai dehors. Et si t'es encore, quand je rentre, t'es encore en live, je viendrai. Et je partagerai, poteau, hein, avant de quitter mon live, je partagerai ton lien. Comme ça, si les poteaux qui regardent mon live, ils veulent aller assister au live de Hugo, vous serez les bienvenus. Donc ça revient de sortir un article newsware concernant le futur DLC. Jure, Chrisso! Jure! Jure! Attends, les gars, jure, ils ont sorti! Tu me conseilles à iPhone 14 Plus ou pas? P5, Mika P5. Va voir! Oh, mais les gars, on est en prépa. Attends, les gars. Rockstar News, le DLC est là, les gars! Jure, le DLC est là! Allez, l'article, l'annonce. Attends, les gars. Vous voulez qu'on regarde ensemble, les potes? RAV 4, je suis désolé, mon ref. Mais là, je vais finir le braquage et tout. Hein. Mais là, on doit aller voir un truc, les gars. C'est incroyable! Attends, Rockstar. Jure, poteau. Putain, pourquoi c'est en anglais? Je veux le français. Voilà, go. Ouais! Vive la Suisse, ouais! Les gars, on va découvrir les DLC! Les potes, venez! RAV 4, on va mettre en pause les prépas. On va le mettre en pause, mon ref. Attends, les gars, on va découvrir les DLC. Attends, je vais recadrer la cam. Waouh, les potes, c'est du lourd! C'est du lourd! Newswire, ok. Attends, je suis sur GT. Mais ils ont sorti en français aussi ou en anglais seulement? Attends, parce que là, je vois le truc du 1er décembre. Hein. Sur le Rockstar Newswire, sur le site officiel de Rockstar, on est d'accord?
Attends, je suis sur le site, les gars. Je suis sur le site. Je vais d'abord tomber sur le truc avant de vous partager l'écran. Hein. Attends, putain, comment je passe par là? Ah la merde, attends. Allez. Ok, GTA Online. Alors, on a quoi? Grand Theft Auto Online. PlayStation. Non, les gars, sur le newsoir, je vois rien. Vous êtes sûr que c'est sur le Rockstar newsoir, sur le site de Rockstar? Moi, je vois le dernier newsoir, il date du 1er décembre. The Heist Event, 17 novembre. Non, les potes, vous rigolez là. Vas-y, t'inquiète. Ah, c'est cool. Bah, j'irai à Noël. La mise à jour de décembre GTA Online apportera un large éventail d'améliorations. Mais attends, les gars, c'est sur quel site? Si tu trouves pas, va sur leur chaîne YouTube dans communauté. Il y a le lien. Chaîne YouTube dans la communauté. Attends. Ah ouais, putain, on est en retard, les gars, wesh. Attends. Donc sur ces Rockstar Games. Rockstar Games, ouais. Et Rockstar Games. Communauté. Il y a 28 minutes. Oh my god. Attends, les gars, je vais vous partager l'écran du jeu. L'écran du PC, les gars. Je vais vous partager l'écran PC, les gars. Attends. Je vais aussi en profiter pour arranger un peu ma cam parce que... Attends. Ok, on est là. J'espère que ça va pas trop déranger ce qu'on va analyser tout de suite. Ah ouais, les gars, c'est du lourd. GG à Chrisso. GG à Chrisso. Putain, hein, la cam, elle est passée derrière. Capture de vidéo. Attends, on va rajouter une nouvelle cam, on m'en fout. Capture vidéo. Ok. On va rajouter une cam. Tac. Ok, c'est bon. On va juste, tac, arranger ça un peu comme ça. Ouais, c'est bon. Je me sens enfermé dans une boîte. Ouah, les gars, il y a du lourd là. Il y a du lourd, hein. Ça vient de tomber là. Ça vient de tomber, les potos. Alors, on va aller sur le site. Ok, les gars, je suis sur la page de Rockstar Games. Attends, je vais ouvrir le chat sur mon téléphone parce que je ne pourrais pas avoir le chat. Je suis pas assez pro pour ça en même temps. Je vais ouvrir le chat sur mon téléphone et comme ça je peux voir ce que vous dites. Hein. Dima Maghreb. Dima le Maghreb, achay. Elle va pas me quitter celle-là, les gars. Elle va pas me quitter. Les potes. Regarde sur la chaîne de Rockstar Games. Sur la chaîne de Rockstar Games, ils ont mis ça, les gars. This December GTA Online update will add a wide range of new experience improvements and more in the first installment of a massive multi-part update. Ils vont rajouter beaucoup d'améliorations d'expérience de jeu et beaucoup plus dans le premier installement du massive multi-part update. Bref, on va cliquer sur le lien, les gars. On va cliquer sur le lien. J'espère que c'est en français ou pas. C'est le Rockstar Newswire. Ok, mais c'est pas en français. Ça va être en anglais, je suppose. Ça va être en anglais, les gars. Wow, nouvelle voiture. Nouvelle voiture du DLC, les potes. Nouvelle voiture du DLC, elle est là. Une nouvelle voiture du DLC, les gars. Vous en pensez quoi, les potes? Vous en pensez quoi, les gars, la nouvelle voiture du DLC, wesh? Vous en pensez quoi, les gars? Attends, je vais essayer de... Une nouvelle voiture, les gars. Alors que c'est année toute sa fin, tous souhaitant remercier notre communauté dévouée. Attends, les gars, regardez, c'est une nouvelle voiture. C'est laquelle? C'est un muscle car. Une nouvelle voiture, les potes. La nouvelle voiture du DLC. Alors, bon, les gars, je l'ai en anglais. Hein, on va faire le American Boy. Donc, new improvement and more coming soon in GTA this month, GTA Online update. Putain, c'est bon, il est tombé à quelle heure? Mais il est tombé il y a une demi-heure, les gars. Il est tombé il y a une demi-heure, les gars. Putain, attends, je vais changer le titre de mon live. Les gars. Attends, il m'a dit putain qui, nana. Mais non, on va changer le titre du live, les gars. Attends.
Officiel, ça s'écrit comment? Ouais, pour une fois, je peux taper un officiel sur mes titres. Attendez les gars, attendez, ça arrive. Vas-y, j'espère que ça va attirer du people. Let's go. On aime bien être ensemble les gars. Officiel, officiel. Bien vu poteau, bien vu. Teaser DLC. Il y a pas encore de trailer les gars, on est d'accord. Peut-être qu'il y avait des films, hein, il y avait des vidéos les gars. Est-ce qu'il y en avait des vidéos? Donc, with this year drawing to a close, we'd like to thank our devoted community of enterprising criminals, creators and competitors in Grand Theft Auto. Est-ce que les gars, est-ce qu'il est dispo en français ou pas? Est-ce que vous l'avez en français ou pas les gars? Parce que moi, j'ai cliqué sur le lien, je suis tombé en anglais. Et je sais pas comment traduire ici sur la fenêtre, je sais pas comment traduire les gars. Je sais pas comment traduire. C'est la D-Class. C'est une D-Class, c'est une ancienne voiture, c'est pas une nouvelle voiture ça. Ça c'est pas une nouvelle voiture. Ouais, c'est la D-Class, c'est marqué ici, bâtard. C'est marqué ici. Ouh, bien vu, bien vu. Non, je l'ai en anglais. Ah, donc elle est pour le moment, apparemment, elle est disponible que en anglais, les gars. Elle est disponible que en anglais. Les gars, partagez un max, likez un max. Comme ça, peut-être on aura un max de personnes qui vont venir sur le live. Et on va débattre ensemble sur, sur cette nouveauté qui vient de tomber de Rockstar Games. Donc, je sais pas si c'est une nouvelle voiture, une ancienne. Peut-être les modifications sont nouvelles. Hein. Mais moi, je l'ai jamais vue, cette voiture. D-Class, on en a beaucoup des D-Class. Hein. Bref, les gars, voyons voir à quoi s'attendre. Donc, with this year drawing to a close, donc en achevant cette année, on aimerait remercier notre communauté. Comment on dit dévote quand tu es. Dévoué, merci ma femme. On voudrait remercier notre communauté dévouée de criminels entrepreneurs, créateurs, compétiteurs, donc Grand Theft Auto Online, et vous. Procurer quelques détails de ce qu'ils nous attendent. Donc, c'est pas tout, les gars. On n'aura que quelques détails, les potes. Regardez ici. Ils ont dit « Some details on what is still to come ». Donc, sur ce nouvel article, Rockstar Newswire, ils vont nous donner quelques détails, les potes. Hein. Alors, « It's been incredible to see everyone share snapmatics of UFOs above the Los Santos skyline in our biggest Halloween event ever ». Donc ça parle des captures des photos, de la quête des photos des ovnis pendant Halloween. Donc ça leur fait plaisir de voir les partages de tout ça sur le Snapmatic, c'est-à-dire l'application photo de GTA, vous connaissez sûrement. Rep their favorite Sora battle in between Sprunk and Ecola. Là ils parlent de l'événement Ecola qu'on a eu, donc là ils parlent un peu du passé. Hein. Donc en fait ça leur fait plaisir de tout ce qui s'est passé dans le passé ces derniers mois. Enjoy featured races. Donc d'avoir participé aux courses créées par les créateurs, etc. Les séries communautaires, les activités communautaires. And most recently, score an incredible GTA 4 trillion. Ah, donc ça, c'est les 4 trilliards qu'on a atteint avec les... Comment on appelle ça? Le Heist Challenge, donc le défi du challenge. Oui, en français, en bas, il est en français? Où ça, en bas, il est en français? Non, moi, je vois tout en anglais, les gars. Moi, je vois tout en anglais. Il est où en français, les gars? Et je sais pas comment il faut faire pour le traduire. Ce serait mieux quand même, les gars. Même si je peux traduire pour vous, ce serait mieux si on l'a en anglais. Mais en français, mais je sais pas, les gars, comment faire. Je sais pas comment faire, les gars. Aidez-moi. Une astuce. En bas, en français. En bas, en français. Mais je sais pas comment traduire ici. Il y a une option normalement traduire, mais je sais pas comment, les gars. Ah, attends, c'est pas ici. Parce que sur mon téléphone, c'est ici. Afficher les informations du site. La connexion sécurisée, autoriser ce site. Cookies, on s'en fout. Non, je sais pas les gars comment traduire l'article. Tout en bas de la page, il y a la sélection de langue. Vas-y, go, on va checker ça. Mais t'es un génie, l'indétrônable. T'es vraiment indétrônable. Let's go, français, c'est bon les gars. On va se régaler maintenant. Là, on va se régaler. C'est pas la même chose que quand je traduis. Ah, ça me dit erreur. Ouais, c'est quoi ce bordel? Ça me dit erreur. Oh non, je crois qu'elle n'est pas encore sortie en français. Hein. Elle n'est pas encore sortie en français, les potes. Elle est sortie il y a une demi-heure. Et d'habitude, il sort toujours à l'avance en anglais. Rien, il sort en français. Google Traduction, ouais, mais non. Google Traduction, moi je veux rester sur le site, poteau. Hein. C'est quoi ça, cette icône? Non, c'est pas ça. Il y a une icône avant que tu pouvais traduire, je le connais pas. Désolé, les gars. Ouais, poteau.
Rafkat, t'as pas une astuce pour traduire une page sur le site, sans sortir du site, sur internet? Franchement pas du tout, frérot. Après, je sais pas, je crois qu'il y a des applications sur Google, des fois tu tapes et... Ah, mais c'est nul, moi j'ai envie de rester sur l'écran de l'article. Sinon je dois commencer à copier-coller. Je sais que sur iPhone, il y avait une application où si tu prenais en photo, ça traduisait l'image. Ah ouais. En plus, la traduction Google, les gars, elle est merdique. C'est pas clair et net. Je vais vous le traduire, les gars. Je vais vous lire paragraphe par paragraphe. Comment ? MK, je dois éteindre la console, mais de toute façon, tranquille pour le caillou. Ah bah vas-y, écoute, prochain live. Je vais encore faire des lives PS5 cette semaine. Bah écoute, première chose qu'on fera, c'est un caillou pour toi, mon ref. Y a pas de soucis, mon ref. Bah vas-y, je vais le préparer entre temps. D'ici là, il sera prêt la prochaine fois. Et encore un grand merci pour l'aide, pour les ventes. Non, y'a rien, c'est normal, c'est du jeu, on est là pour ça, non? Vas-y, oublie pas de partager le Maroc, hein, soutiens le partage du Maroc. Non, partage le soutien du Maroc, pardon. T'inquiète pas, vas-y, pense, frérot, putain. Vas-y, à plus, frère, là. Ah, ciao, ciao. Ok, les gars, tout en bas, je l'ai en français. Membre SG1, tu l'as en français, c'est quoi la voiture en gratuite? Ah, peut-être c'est la voiture gratuite, les gars, justement, le ref, il part d'une voiture gratuite, c'est peut-être ça, les gars. C'est peut-être ça, la voiture gratuite qu'on va recevoir, qui sait? Les potes, moi j'arrive pas à l'avoir en français. Hein. Utilise elle. Attends, ici y a pas suivant. Actualiser, enregistrer, lire la média, envoyer. Traduire en français. Les gars, j'ai trouvé. Il faut juste appuyer sur le souris droite. Sur le texte, appuie sur souris droite. Et t'as regardé à traduire en français. Ah, let's go les potes, je l'ai en français. C'est parti pour tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Bienvenue à vous tous les gars, on est en train d'analyser le tout nouveau Newswire qui est sorti il y a même pas une demi-heure de Rockstar Games concernant le nouveau DLC. Le nouveau DLC est officiel les potes, il vient d'être annoncé les gars. Il vient d'être annoncé les refs, vas-y on va lire. Nouvelle amélioration et plus à venir dans la mise à jour GTA Online ce mois-ci. Donc voilà, il nous remercie en fait d'avoir participé au Junk Sprunk versus Icola, d'avoir fait les courses communautés, d'avoir participé aux quêtes des ovnis, etc, etc, et d'avoir atteint les 4 millions, les 4 trilliards, les 4 trilliards du challenge. Après, à la suite de cette prise absolument stupéfiante dans The Heist Challenge, un nouveau véhicule dans la prochaine mise à jour GTA Online, les gars, la nouvelle voiture, les potes, la voiture gratuite, la déclasse Tompax, Tahoma, coupé, style rétro, sera mise à disposition à tous les joueurs GTA Online pour une période limitée plus tard ce mois. On a la nouvelle... Oh les potes, franchement, je vais faire tout ça en vidéo demain, en résumé. Ah mais les gars, c'est incroyable. La nouvelle voiture, franchement, la voiture gratuite pour avoir participé au Heist Challenge. Au Heist Challenge. Les gars, ça fait plus de 5 heures que je live, je commence à être fatigué. Les gars, voici la nouvelle voiture, les potes. La nouvelle voiture. La nouvelle voiture gratuite pour le Heist Challenge, les gars. La nouvelle voiture gratuite pour le Heist Challenge, elle est juste là. C'est la D-Class Tahoma. Tahoma ou un truc comme ça. C'est ça, les gars. Regardez bien, c'est la nouvelle voiture, les potes. Despi, good. Franchement, moi, je suis quand même satisfait. Elle a l'air lourde, les potes. C'est pas une super sportive. Je pense qu'elle vaut 1,5 million minimum. Peut-être qu'elle aura les bénisses. Je sais pas, je vois pas trop de bénisses dessus. Mais peut-être qu'elle aura bénisses ou peut-être même HSW pour les next-gen. Mais en tout cas, les gars, c'est la nouvelle voiture. Franchement, vous en pensez quoi, les gars? Vous en pensez quoi? Mettez un like si vous la likez, les gars. Tout pour les likes. Mettez un like si vous la likez. Mais ce n'est pas une traduction parfaite. Oui, je comprends, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Comme ça, on passera plus fluide dans l'article. On n'aura pas à chaque fois lire paragraphe par paragraphe et traduire avec ma traduction de blédard. Donc, non, franchement, les potes, c'est la voiture gratuite qu'on va avoir. On l'a, les potes. Elle est là. Elle est là. Franchement, elle a l'air pas mal. Moi, je kiffe. Je la valide. Elle a l'air pas mal. Mais on va lire ce qui nous attend de plus. S'appuyant sur une série d'ajustements effectués plus tôt cette année et dans le cadre, il parle des améliorations qu'on a eues pendant le DLC Entreprise Criminelle. Hein, donc on a eu le nerf du MK2, on a eu le fait de pouvoir courir dans le casino, on a eu un nerf de Ekeio Perico. Bon, il parle d'ajustements, c'est pas des améliorations, c'est des ajustements. Donc on va dire s'appuyant sur une série d'ajustements effectués plus tôt cette année et dans le cadre de notre engagement, continue à apporter des améliorations basées en grande partie sur les commentaires des joueurs. Donc Rockstar sont à l'écoute. Apparemment, Rockstar sont à l'écoute parce que tous les ajustements et les modifications qu'ils apportent,
c'est basé en grande partie sur les commentaires des joueurs. Ok, la mise à jour GTA Online. Eh ben les potes, commentez tous une adaptation du téléphone annuaire là, je sais pas, répertoire, qu'on peut mettre les trois contacts les plus intéressants, les plus importants, l'un à côté de l'autre, directement accessible. Ça, j'attends des années de voir ça. Le répertoire du téléphone. Voilà. Et se mettre en mode avion dans le téléphone aussi pour qu'il ne nous harcèle pas les PNJ. Voilà. Ça, je veux voir ça comme amélioration. J'espère que ça va venir sur ce DLC. Bref. Donc voilà. Décembre ajoutera un large éventail de nouvelles améliorations au mode libre et au-delà. Putain, ils vont encore améliorer le mode libre. Après avoir enlevé le ratio. Après avoir fait pas mal d'autres choses. Bon, moi, je retiens que le ratio. Ils vont encore ajouter un large éventail de nouvelles améliorations. Ils n'ont pas parlé d'énormément d'améliorations, beaucoup d'améliorations. Un large éventail de nouvelles améliorations, les potes. Donc, attendez-vous à beaucoup de changements quand même. Hein, dont beaucoup ont été soumises directement par les joueurs via le site web des commentaires de GTA Online. Ok, ils sont à l'écoute, Rockstar. On n'est pas dans GTA RP. Il était temps. Ça m'aide, c'est pas pour du GTA RP. Hein. Moi, je vais appeler Lester, Mécano, Mutuel Morse. Je veux avoir ces trois contacts l'un à côté de l'autre, disponibles, accessibles, plus rapide possible. C'est tout ce que je veux. Lester, Mécano et Mutuel Morse. Après, peut-être des autres, mais on devrait savoir trier nos répertoires. C'est pas trop demander à Rockstar quand même. Hein. Ok, les gars. Les gars, je parle de contacts et de répertoires. Regardez, il y a un téléphone. Il y a Dax. Dax, les gars. Dax, il est là. Oui, bah. Ok, je vais parler moins fort. Ok, ça marche. Ouais. Les gars, le nouveau personnage, Dax, il est là, les gars. Il est confirmé officiellement par Rockstar. Je sais pas si vous le voyez, peut-être je vais zoomer un peu pour vous, les gars. Regardez, les gars, Dax. Ici, vous le voyez ou pas? Bon, ça, il y a la caméra devant. Le nouveau personnage confirmé à 100% par Rockstar, il est là, Dax, les gars. Le nouveau contact, Dax. Je sais pas ce qu'on va faire avec, peut-être qu'ils vont nous expliquer. MK, je rejoins la vocale, comme ça on fait une course. Noah, je suis en train de traiter un contenu GTA Rockstar Newswire, frérot. Comment veux-tu que je fasse une course là maintenant? Donc les gars, Dax, nouveau personnage, Dax. Nouvelle voiture gratuite pour le Heist Challenge. Pas mal. Alors ici, on parle d'amélioration générale. Accéder plus rapide. Ah les gars, regardez. Les gars, ils vont l'appliquer. Accéder plus rapidement à vos contacts iFruit préférés. Sélectionnez les contacts et afficher ou à masquer via le menu. Enfin Rockstar. Les gars, on pourra organiser notre répertoire du téléphone. Question, il y a le trailer quand? Le trailer, on sait pas. Peut-être demain, jeudi, mercredi, vendredi, le jour même. Je s'en sais rien, mon ref. Mais on a un article officiel de Rockstar. L'annonce du DLC, il est là, les gars. L'annonce du DLC, il est là. Hein. Les gars, c'est bon, on est là. Hein. Mais franchement, bonne nouvelle, les gars. Comment on appelle ça? Organisation du répertoire, les gars. Organisation du répertoire. On peut le faire maintenant. Regardez, c'est marqué en grand, en bleu ici. Accédez plus rapidement à vos contacts iFruit préférés. Sélectionnez les contacts et afficher ou à masquer via le menu interaction. C'est impeccable, Rockstar. Un grand merci en tout cas pour ça. Je suis ravi. GTA 6, GTA TV, Multigaming, on ne sait pas, mais peut-être dans la semaine. On espère bientôt, les gars. Ah putain, franchement, vous en pensez quoi, les gars? Vous en pensez quoi, les potes? Accédez plus rapidement à vos contacts iFruit préférés. Franchement, est-ce que ça, c'est pas le top du top? En tout cas, pour moi, pour un joueur chevronné et... comment on dit encore Allez, putain, c'est quoi le mot que je cherche, les gars? Quand t'es vraiment passionné par quelque chose, fanatique, pour un joueur fanatique de GTA, pour moi, c'est un plus incroyable et énorme, les potes. Le fait qu'on peut organiser notre répertoire. Regardez, ça parle de voiture ici. Le bénéfacteur Terrorbyte peut être utilisé pour lancer des missions de vente d'affaires dans tous les types de sessions, y compris les sessions sur invite uniquement. Alors là, les gars, ça, c'est un truc qui devait normalement venir avec l'entreprise criminelle, le DLC entreprise criminelle. Ils l'ont raté, on ne sait pas pourquoi, parce que c'était demandé depuis très longtemps, parce qu'on peut le faire depuis le centre terminal global de contrôle, etc. On ne pouvait pas le faire avec le Terrorbyte, on ne comprenait pas pourquoi. Mais maintenant, ils vont ajuster ça, ils vont arranger ça, les gars. Donc, on pourra enfin...
utiliser et lancer les missions depuis les missions de vente, hein, pas les réappro. Parce qu'avant, on pouvait faire les réappro, on comprenait pas pourquoi on pouvait pas faire les ventes, hein, aussi. Après, je vois pas trop l'utilité parce que moi, personnellement, il faut quand même aller au business en question parce que c'est là que les véhicules de vente vont spawn. Hein. Donc, ça, c'est un petit détail. Hein. Bref, qui peut m'ajouter dans le chat? Moi, je peux t'ajouter, frérot, avec plaisir. C'était sur PS5. Bref, les gars, Terrorbyte peut être utilisé pour lancer les ventes. C'est un ajout pas mal, c'est un ajout sympa, ok. Relever les missions d'Agatha Casino Story en tant qu'opérateur solo en visant le bureau de gestion de The Diamond Casino et Resort. Ces missions nécessitent auparavant 2 joueurs. Ah, ok, bon. Ils ont prolongé leur concept d'activité en solo. Ils ont commencé avec les KO. Après, ils ont fait les sessions sur Invite où on peut faire les ventes solo. Maintenant, les missions d'Agatha qui étaient auparavant uniquement jouables avec 2 joueurs minimum. On pourra les lancer en solo maintenant aussi. Moi, je les ai jamais joués à part pour... Non, je les joue pas trop, mais voilà. Pour les intéresser, vous avez un petit changement sympa ici pour vous. Les gars, on passe à la chose suivante. La PS5 et la Xbox X, pas la S par contre, sûrement la X, ajouteront des reflets en lanceur de rayons. Rendu en temps réel sur de nombreux sur... Ouais, c'est le ray tracing là qu'ils avaient promis pour le GTA Next Gen qu'ils ont pas... bref, voilà quoi. C'est juste un mode graphisme qu'ils vont ajouter. Donc un mode graphisme pour les Next Gen uniquement. Et dans les Next Gen, que la série X, pas la S. Parce que la S, elle a pas le RT performance, je crois. Elle a juste fidélité. Hein. Bref, faudra qu'ils mettent dans les options le mode de vue préféré. Première, deuxième, troisième personne. Ouais. Et franchement, ce que j'aimerais voir aussi concernant ça, parce que ça m'avait pensé à un truc, le zoom du sniper en première personne ou peu importe quelle personne, le zoom, on devrait pouvoir zoomer instantanément. Tu vois, instantanément, tu cliques sur un bouton, tu zoomes, et après, si tu veux dézoomer, préciser un peu ton zoom manuellement, tu peux le faire comme on le fait maintenant. Mais on devrait avoir une option, tu cliques, ça zoome direct à 100%. Et après, tu peux dézoomer manuellement. Et le personnage préféré, deuxième, troisième personne, bien vu aussi, Kalash, c'est une bonne chose hein, qu'on devrait avoir. Bon, les gars, mon bébé, il se réveille, mon fils. Non, ça va encore. 6-1 Portugal-Suisse, c'est une boucherie ce match. Ça promet pour le Maroc en quart de finale. Ah, les gars, franchement, le Maroc, c'est pas la Suisse non plus. Hein. Mise à jour des véhicules. Ok, les gars, écoutez bien. Les achats de véhicules neufs arriveront dans votre garage plus rapidement qu'auparavant. D'accord, ok. Maintenant, quand tu commandes un véhicule, il arrive après quoi? 3 minutes 3, 4 minutes? Bon, quoi, ils vont diviser ça par deux en 1 minute et demie? Bah, écoute, c'est un petit ajout sympa, mais pas avec. Il n'a pas beaucoup d'importance, en tout cas pour moi, à mes yeux. Tu peux m'ajouter, s'il te plaît. Envoyez vos PC sur Instagram, les refs. Hein. S'il vous plaît, comme ça je peux vous ajouter facilement. Les gars, certains véhicules armés personnalisés peuvent maintenant être utilisés dans les courses. Le cas échéant, les armes seront désactivées en dehors des courses GTA. Alors là, les potes, ça existe déjà, les gars. Ça existe déjà parce que... Parce que déjà, les gars, j'ai déjà utilisé une Ignus armée dans une course casse-cou. Ça existe déjà, maintenant ça va être possible avec toutes les courses. Je sais pas si ça va marcher avec les MK2, courses MK2, j'en sais rien. Vous avez les courses polymorphes, qui sont normalement des courses où on peut utiliser les véhicules armés sans tirer. Donc ouais, c'est une prolongation, on va dire, d'une chose qui était quand même assez déjà existante. Les vélos. Ah bah voilà, ça des fois les gars, combien de fois je faisais pas les missions service client où je voulais m'amuser en livrant les diamants en vélo et que je pouvais pas parce qu'on pouvait pas appeler les vélos à travers le mécano. Ben regardez, les vélos seront ajoutés à la liste des véhicules qui peuvent être demandés à votre garage personnel lorsque vous appelez le mécanicien. Ça, c'est un truc qui devait exister depuis 2013. Mais c'est maintenant qu'ils l'ajoutent, en 2022, 9 ans plus tard. En fait, ils sont en train de finaliser tous les petits points et les petits détails qu'on devait avoir en fait depuis le début du jeu. Ils sont en train de compléter le jeu, les gars. Le cercle est en train de se fermer. Après, DLC Michael. Et puis, c'est fini. GTA 5, les gars. On va passer à GTA 6, je crois. C'est... Franchement, je crois que c'est parmi les dernières mises à jour, les gars. Les dernières mises à jour GTA Online. GTA 5 Online. Ok, donc voilà. Les mécaniciens, les vélos, on peut les appeler maintenant à travers les mécaniciens, ce qui est pas mal. Sur quelle plateforme P5 ou PS4? L'homme du match. Ok,
Les gars, on continue la découverte du DLC. Le prochain. Il n'y a pas de nom pour le DLC. Hein. Comment on va appeler ce DLC, les gars? Les Dugalos. Hein? Les Vatos Locos, je sais pas, les gars. Il n'y a pas de nom sur le DLC. Il part juste d'une mise à jour, quoi. Les joueurs sur la PS5, Xbox XS peuvent profiter d'un accès complet aux œuvres spéciales de Aos sans avoir à terminer la course d'introduction à Aos. Mais c'est bête, ça! C'est bête! On joue déjà sur Next Gen, Rockstar. On joue déjà sur PS5, Xbox XS. On a déjà accès au Aos. Bon, maintenant, s'il y a les nouveaux joueurs qui vont acheter une PlayStation... Et franchement, elle représente rien, la course d'introduction de Aos. Au contraire, elle est sympa, elle est fun. C'est pas un détail, les gars. C'est pas quelque chose d'énorme. C'est pas vraiment quelque chose qu'ils doivent mentionner, les gars, je trouve. C'est un truc, c'est un bête truc, en fait. Bon, maintenant, les nouveaux joueurs Xbox Series XS et PS5, ils doivent plus faire la course d'introduction de Aos pour profiter des avantages améliorations Aos. C'est un bête truc, franchement. Mise à jour sur l'économie. Ok. L'achèvement des missions de vente de fret de véhicules. Les frets de véhicules, c'est import-export, si je ne me trompe pas. Lors des sessions publiques, attribuera un bonus de forte demande. Bonne chose, les gars, bonne chose. Vous connaissez les import-export, les voitures, les gars, avec l'entrepôt de véhicules. Comment ça fonctionnait, les potes? On avait une à quatre voitures, on devait les custom. On les payait, on pouvait gagner plus si on les custom. Et sinon, on gagnait moins. Donc, et si on faisait du dégât, le plus important, les gars, c'est le dégât. Si on commettait des dégâts, la valeur de la voiture diminue. Mais maintenant, Rockstar, ils ont calibré la chose. Il y aura probablement sûrement les dégâts qui vont rester applicables. Donc, les dégâts, ils vont être diminués. Mais il y a un bonus, comme avec toutes les ventes, quand il y a beaucoup de joueurs présents dans la session, il y aura un bonus, je pense, de 50%. Donc, pour une voiture que tu vends à 100K, il y a full joueur dans la session. On peut obtenir 50K en plus. Ce qui est quand même pas mal. Je suis d'accord avec ça. Ça va rendre plus populaire les ventes import-export. Parce qu'il n'y a plus personne qui les joue. Et moi, je kiffe trop ces activités. Mais je trouve qu'ils ne payent pas assez bien. Donc voilà. Il y aura un bonus pour les import-export. Pas mal. Tandis que les paiements sur les missions de vente contrebandier seront triplés de manière permanente. C'est quoi ça, les gars? Marchandises spéciales, triplées, permanent. Attends, est-ce que je lis bien? Tandis que les paiements... Les gars, vous lisez, c'est assez grand pour vous l'écran. Vous lisez bien quand même, non? Tandis que les paiements sur les missions de vente contrebandier sont triplés de manière permanente. Donc avant, les gars, avant, un entrepôt de petite taille, c'est ce qu'est-ce? Ça ramenait combien? 200 à 300K. Doublé, c'était 400 à 500K. Mais maintenant, ça va être 700K pour un petit entrepôt. Les gars, les entrepôts à 111 caisses, ils seront permanents à 6 millions, 7 millions. Non. 6 à 7 millions quand même. Parce que c'est 2 millions, 2 millions 50 en normal, triplé. Les gars, 6 à 7 millions. Putain, j'en connais, ils vont charbonner à fond. Les marchandises spéciales, les potes, hein. C'est vraiment pour l'équilibrer avec les KO, j'ai l'impression, parce que le KO, il était trop facile, il était trop cheaté, l'argent qu'on gagnait, maintenant, c'est comme si Rockstar, ils veulent qu'on joue des autres activités, ils ont buff le import-export, ils ont buff le marchandises spéciales, pas mal. Obtenez plus de ce que... Les gars, je pense aussi qu'ils vont ajouter des nouvelles voitures pour l'import-export, et des nouvelles missions pour les marchandises spéciales. C'est très probable. S'ils vont buff ces deux business de la question argent, ils vont sûrement probablement aussi ajouter des nouveautés dans ces missions. Des nouvelles voitures import-export parce qu'on a toujours les mêmes voitures d'il y a 7-8 ans. Je sais pas depuis quand il existe import-export, mais bref, depuis le lancement du import-export, on n'a jamais reçu des nouvelles voitures alors qu'il y a énormément de voitures qui sont sorties après. Ils ont jamais mis à jour les voitures de l'import-export. Donc, je pense qu'ils vont rajouter des nouvelles voitures et ils vont aussi augmenter les pays, ce qui est pas mal. Obtenez plus de ce que vous voulez plus rapidement avec une augmentation générale de la valeur GTA dollar de toutes les cartes requins. Ouais, chaque carte, c'est potes. Chaque carte, s'ils veulent faire bénéf. À partir d'aujourd'hui, toutes les dénominations de la carte Shark ont été augmentées de 20 à 25% lorsqu'elles sont achetées directement dans GTA Online ou via... Bon, les gars, je ne vais même pas continuer à lire. Je ne suis pas pour les Shark Cards. Voilà, il y a un buff des Shark Cards, si on peut appeler ça aussi comme ça. Il y a une augmentation dans les Shark Cards, les potes. Hein. Les potes, demain, pas aujourd'hui,
Demain, on va essayer de résumer tout le contenu dans une petite vidéo, les potes, pour ceux qui ne seront pas sur le live maintenant. Mais franchement, c'est du lourd. Hein. C'est énorme, les gars, ce qui se passe là maintenant. Alors, Ace Liquor. Il y a une image de Ace Liquor. Le nouveau taxi, les gars, regardez le nouveau taxi. C'est un Weeville. Il est sympa, ça fait années 30 comme ça. Je kiffe trop. Je kiffe trop, les potes, c'est stylé. Bon, attendez, les gars, mon fils, il se réveille. Attendez. Je vais te mettre un peu de musique. Mais non, ça va déranger mon live. J'arrive. Ok, 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 les gars, ok. Bon. Je kiffe la traduction des Shark Arts. Mr. Knight, t'es un fou, toi. T'es un fou, frérot. Les gars, regardez le nouveau taxi ici. Attends, je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça mieux. Oh non, mais j'ai fait quoi là? Oh non, j'ai perdu l'image. Ah non, il est là. Bon, ça va pas bien assez zoomé, hein. Bon, bref, on s'en fout. Vous voyez bien ici le petit taxi. Ça, c'est sûrement le nouveau taxi comment on appelle ça? Voyage instantané. Ace Liquor, je sais pas ce que ça représente. Grosserie, c'est un magasin, c'est une boutique. Les gars, on voit ici des véhicules qu'on connaissait pas encore. C'est pas un véhicule de vente de la boîte de nuit là, le Mule. On dirait que c'est le Mule. Ok, ça c'est une voiture qu'on connaissait déjà. C'est la Greenwood, je crois. Il y a un camping-car ici. Il y a une station de... Comment on appelle ça? Une station de pompe d'essence. Et apparemment, TES2 nous avait parlé qu'il y aura un nouveau business, qu'on va se lancer dans le trafic d'essence ou je sais pas quoi, pétrole. Ok, ok, ok. Il y a quelques détails ici dans cette image, d'accord. Alors, ces améliorations d'expérience et plus arriveront aux côtés de la prochaine mise à jour GTA Online, PS5, PS4. Ok, les gars, c'est pour toutes les plateformes. C'est confirmé de la part de Rockstar. Toutes les plateformes, les potes. Toutes les plateformes auront le DLC. Psartcom, GG à vous. PlayStation 4, Xbox XS. Ok, même PC. Donc PC, il aura peut-être enfin le HSW aussi disponible sur PC. Hein. Donc voilà les potes, c'est confirmé. Le DLC sera sur toutes les plateformes. À venir plus tard ce mois-ci. Il crame pas la date exacte, les bâtards. Mais ce sera probablement le mardi prochain, le 13, les gars. Mais ils disent à venir plus tard ce mois-ci, mais ils donnent pas la date exacte. C'est quand même des trous du cul, hein. On est d'accord, les gars. Le camion de PDG. C'est le camion de PDG, ça met, ok. On dirait le briquet en armé, un véhicule de vente de marchandises. Ah ouais, c'est probablement ça. Par contre, moi, j'avais juste vu les motifs. Vous voyez ici les motifs. Elle a des motifs de bunker comme ça, qu'on débloque. Vous connaissez des motifs assez spéciaux. C'est ça que je trouvais ça bizarre. Je connaissais pas trop, mais bon. C'est sûrement la briquet alors, hein. Donc il va venir sur toutes les plateformes. Le DLC, il arrivera sur toutes les plateformes, ce qui est pas mal. À venir plus tard ce mois-ci, promenez-vous du côté sauvage du comté de Blaine. Donc c'est Blaine County, dans le premier épisode d'une mise à jour massive en plusieurs parties. Qui vous emmène? Les gars, on a un nouveau concept qu'on n'a jamais eu précédemment. La mise à jour va venir en plusieurs parties, les gars. C'est la fin des GTA 5 Online. Ils n'ont jamais fait ça. Les gars, écoutez bien. D'une mise à jour massive. Donc en fait elle sera énorme, mais elle sera en plusieurs parties, la mise à jour. Il y aura Michael et Wade en même temps que Dax ou pas, car je suis chaud. Et PS4, le DLC sera MK. Le DLC sera sur PS4, sur toutes les plateformes, même sur PC. Mais s'il vient Michael aussi, je sais pas. Les gars, on va découvrir, hein, parce qu'il balance des nouveautés qu'on connaissait pas encore ici, hein. Il part d'une mise à jour. Écoutez les gars, il part d'une mise à jour massive en plusieurs parties. Vous en pensez quoi, les gars? Une mise à jour massive en plusieurs parties. Bizarre. Qui vous emmène partout dans le sud de San Andreas, mettant en vedette des visages familiers, peut-être Franklin, Michael, et une nouvelle troupe d'inadaptés entrepreneuriaux en mission pour élargir l'esprit des citoyens de Los Santos. Un voyage à la fois... Je pense que c'est Jugalos. De plus, attendez-vous à une flotte de nouveaux véhicules. Let's go, 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 les gars. Une flotte, hein. Oh putain. Attendez-vous à une flotte de nouveaux véhicules, à des événements mondiaux, à des missions de contact et plus encore. Ça va être lourd, les gars, comme il a dit le ref Alexandre.
Ça va être lourd, les potes. Hein. Franchement, je suis hypé là. Là, ils m'ont hypé, Rockstar. Hein. Ils parlent de mise à jour massive en plusieurs parties. Je n'ai pas bien compris ce qu'ils veulent dire avec ça. Les gars, on découvrira tout ça le jour du DLC, en tout cas. Je pense qu'ils vont sortir des autres articles bien avant un trailer. Merci beaucoup à tous d'avoir joué un rôle aussi important dans la croissance continue et les nouveaux sommets passionnants pour GTA Online et pour tous vos commentaires précieux et constructifs. S'il vous plaît, continuez à venir, mais ferme ta gueule, on vient depuis 10 ans près. Nous sommes impatients de mettre en œuvre plus de vos idées et demandes alors que nous continuons à construire sur l'expérience GTA Online avec chaque mise à jour. Restez à l'écoute pour beaucoup plus, très bientôt. Ok, ils n'ont pas dit bientôt, mais très bientôt. Ok. Article connecté. C'est tout, les gars. Et voici la nouvelle voiture gratuite qu'on aura tous avec le DLC, avec le défi du braquage. Les gars, attendez, parce qu'il y a mon fils qui crie là, j'arrive. Coucou. Hello. 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 Coucou. Coucou. Coucou, ça va? Ah là là, mon petit bébé. Je vais pas vous le montrer, les gars. Je peux pas vous le montrer. Ça va? On se calme? On se calme? Tranquille. Ouais, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est du lourd, les potes. Hein. C'est du lourd. Bon, les gars, il est 22h. On a... Non, 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 tu regardes pas la cam. Vas-y, je vais essayer de la déposer. Je vais te déposer ici, hein. Attention. Allez, viens. Coucou. Kikou. Kikou. Je vais finir, hein. Ok. Les gars. Salut, salut, Tom Lou. Ça va ou quoi, mon ref? Bienvenue sur le live. Mais un peu tard, mais mieux tard que jamais. Je braquais un magasin du pétrole. Merci, merci Samet, big up à toi, big up à toi. Les gars, on va s'arrêter sur ça, les potes. Bon, je vais vous mettre le temps exact quand on a commencé l'analyse du Rockstar Newswire. Je vais le mettre en commentaire, les gars, pour ceux qui veulent revoir la rediff sans revoir tout le live. Je vous promets, les gars, je vais faire de mon mieux pour résumer tout ça en vidéo demain. Et puis voilà, première info du DLC. Ils n'ont pas annoncé la date, ils ont annoncé à quoi s'attendre. Ils n'ont pas annoncé la date. Des bâtards, hein, Rockstar. Ils n'ont pas annoncé quelle voiture. Ils ont parlé de beaucoup de voitures. Ils ont parlé d'énormément de choses. Ouais, les gars. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Pas ce que vous en pensez. Hein. Bon, les gars, je vais sortir là maintenant. J'attends juste que ma femme elle termine. Elle va s'occuper de mon fils. Allez, de notre fils. Et puis... je vais arrêter, les gars. Franchement, c'était super amusant aujourd'hui. C'était incroyable, les gars. On a bien farmé. N'oubliez pas qu'on a super bien farmé. Et on s'est bien amusé. Comme cerise sur le gâteau, le newsoir, il est tombé il y a plus ou moins une heure. Et on était en live. Donc, on a pu le traiter. Gros big up aux 50 personnes plus ou moins qui étaient là pendant l'analyse de cet article de Rockstar. Voilà, on va se résumer à ça, les gars. Et on va essayer de faire ça demain en vidéo. En résumé, une petite vidéo de 4 minutes, pas plus, je crois. En 4 minutes, c'est faisable. On va résumer tout ça, les potes. Attendez. Tac. Supprimer. Oh, il y avait deux caméras. Ouais, donc voilà les potos. Ah oui, que j'allais vous dire d'autre. Regarde, même le jeu il m'a exclu. Il m'a dit MK, t'as trop joué aujourd'hui. Ouais, donc voilà. Hugo il stream. Ah oui, Hugo il stream. Bah écoute, avant de quitter, je vais lui faire un petit partage, les gars. MK, tu as quel âge? J'ai l'âge de ton père. Ciao MK, on se verra demain ou mardi, Inch'Allah, ça marche, ça met. Moi je vais, ciao MK, bonsoir et merci. Merci à vous tous les gars, c'est rare qu'on fait des lives aussi tard, 22h et tout.
Mais voilà, on a eu quand même une info assez super intéressante. En fait, on a eu l'annonce officielle de Rockstar. Hein. On a eu l'annonce officielle de... Et c'est même pas un teaser, les gars. C'est une annonce hein, officielle de Rockstar. Ce qui est tout simplement incroyable. Et franchement, je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont déjà traité. Sûrement les Américains. Mais voilà. Attends, je vais vite voir sur le truc de... Comment ça s'appelle Twitch de Hugo. Je vais voir s'il est en live. Il est en live, Hugo. Attends, il est en live. Trois spectateurs. Les gars, on va raid Hugo, les potes. Je compte sur vous, là. Mais on va raid Hugo, les gars. Qui est chaud pour raid? Mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes chaud pour raid Hugo? Vas-y, les gars, on va le raid. Il va rien comprendre à sa live. Hein. Raidez-le, les gars. Faites un raid. Cliquez sur le lien, les potes. Tu fais quoi? On joue pas à deux. Non, ah, il est 22h. J'ai fait presque 6 heures de live. Mon fils, il est en train de pleurer. Je vais encore sortir. Je dois manger. On va faire ça une autre fois, Noah, t'inquiète pas, frérot, il y aura encore des live PS5 cette semaine, hein, et des gameplays, évidemment. Les gars, cliquez sur le lien, les potes. Ouais, c'est tard, mais franchement, je suis hyper content des nouvelles de Rockstar. Ouais, franchement, je suis content qu'ils ont tombé, et gros big up à Chrisso, hein. Gros big up à Chrisso qui m'a prévenu. Non, je taffe pas demain, j'ai un petit rendez-vous à l'hôpital, et donc j'ai pas prévu de travailler demain. C'est pour ça que je l'avais à 22h, sinon jamais de la vie. Les gars, cliquez sur les potes, je compte sur vous là, Mif. Cliquez, juste faites-lui un petit raid, les gars. Je veux réussir un raid de la part de MK, un raid sur Hugo, les gars. Cliquez sur le lien, restez un peu si le live vous kiffez, chattez avec lui, tac tac. Faites-lui un raid, je veux voir. Même moi, j'ai jamais eu une quarantaine de spectateurs sur Twitch, les gars. Jamais, hein. On est à 400 et des abonnés sur Twitch. Et merci au Dadou, big up mon ref. On est à plus de 400 abonnés sur Twitch. Et franchement, on a déjà atteint 30, 35 spectateurs une fois ou deux. Mais les gars, franchement, si Hugo, il a une quarantaine de spectateurs, les potes, il va péter un câble. Les gars, il suffit de cliquer sur le lien. Cliquez sur le lien que je vous mets en chat, les gars. Cliquez sur le lien, les gars. Je vais arrêter le live. Les lives, ils seront les deux. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses super intéressantes. Voilà, franchement, c'est des lives régales, les gars. Vous allez kiffer les deux lives. Je vais les mettre en rediff. N'hésitez pas à aller dessus, je vais essayer plus tard d'observer les minutes où on a commencé à analyser l'article de Rockstar et je vais vous mettre ça en commentaire, les potes. Je vais mettre en commentaire quand ça commence l'analyse du trailer, comme ça vous cliquez dessus et vous cassez pas trop les couilles là en cherchant dans le live. Alors vas-y les potes, je laisse tourner un peu le live histoire que tout le monde rejoigne le lien de Hugo que je vous mets là. Attends, je vais même l'épingler. Ok, je laisse tourner le live, les gars. Il y a un message épinglé. Allez dessus, les gars. Allez dessus, les potes. Allez dessus, les gars. Allez dessus. J'arrête pas le live, les potes, tant que vous n'êtes pas tous allés dessus sur le live de Hugo. Faites-lui juste un raid, les gars. Le concept, c'est un raid. J'essaie pas de lui gratter des abonnements, des abonnés, quoi que ça. Faites-lui un raid. Un raid, les potes. Un raid. Ça veut dire venez en masse sur son live. Parce que ça fait toujours plaisir à un streamer de voir d'un coup ses spectateurs monter. Donc faites le raid, les potes. Faites juste le raid. Je veux que les spectateurs aillent sur le lien, les gars. Let's go. Let's go. Vas-y, j'arrive, je vais m'occuper de mon fils. Coucou, ça va mon fils? Coucou. Je sais pas si c'est ça.
Ah les gars, vous abusez, ouais. Je te jure, il y a 23 personnes, il y a rien à voir les gars. Tu as oublié de désactiver ton micro, jure. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ah là, vous êtes des psys, vous êtes des malades si vous allez commencer à écouter et tout. Fais pas ça les gars. On fait pas ça, bon. Les gars, pourquoi il y a encore 22 spectateurs? Pourquoi il y a encore 22 spectateurs? Allez les gars, attends, on va regarder sur le live de Hugo. Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes sur le live de Hugo les gars? Oh là, 8 personnes! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, let's go! Les gars, attends, 8 personnes sur le live de Hugo et il y a 22 personnes sur mon live. Il y a 22 personnes sur... Les gars, faites-lui un raid et après revenez. Vas-y, vas-y, faites un raid et après... Eh ben regarde, je vais vous lancer un défi, les gars. Si... si je descends à 0, je continue le live. Non, non, les gars, je vais arrêter. Mais non, non, les potes, faites-lui un petit raid, les gars. Vas-y, go. Faites-lui un petit raid, les potes. Go Hugo les gars, vas-y go les gars, allez checker le raid, allez checker son live. Cette fois-ci je vais vraiment couper les potes parce que je vais sortir. Et je vous souhaite passer une super bonne soirée les gars. Franchement incroyable cette journée, alhamdoulilah, franchement c'était magique cette journée. Maroc qualifié, quart de finale, un exploit. Franchement ils ont battu l'Espagne, bon penalty, ils ont battu l'Espagne les gars. Franchement j'ai pas beaucoup de collègues au travail espagnol, mais je vais en croiser des Espagnols, vous inquiétez pas. Et oh putain, quand je vais... Oh, je vais partir... je vous ai parlé que je voulais partir au Maroc en vacances. Mais en vérité, je vais partir en Espagne cette année. Ah oui, on va partir une petite semaine en Espagne. Ouh, nanana. Maman m'a dit, c'est nul l'Espagne. Non, les gars, on verra. Bref, franchement, exploit incroyable. Le farm, franchement, on l'a bien géré. On a fait 6 millions, je crois 6 millions de farm, si ce n'est pas plus. 6 millions, je pense. KO, il est préparé à moitié. Le gros analyse de gros, la grosse annonce de Rockstar Games. Le super chat de Hugo, à ne pas négliger. Donc voilà les potes, cette fois-ci je vais vraiment arrêter le live. Bonne nuit Alexandre. Dernière fois le lien ici. Passez une super bonne soirée les gars. Et je vous dis à très bientôt les refs. Allez, ciao ciao.